que no penúltimo dia, né, amanhã haverá o fechamento desse colóquio. Hoje nós temos a mesa intitulada Fragilidades e Figuras dos Precários entre Filosofia, Literatura e Artes. Gostaria muito de agradecer a presença, né, também dos nossos apresentadores, o Daniele, da Fiona, do Pedro. Eu vou coordenar esta mesa e então eu vou fazer a apresentação de cada um dos integrantes antes que eles falem e eu passo a palavra a eles em seguida. Então, o próximo a falar é o professor Pedro de Souza, que é doutor em linguística pela Universidade Estadual de Campinas, e entre suas principais pesquisas e missões de estudo no exterior se destaca o estudo de nível de pós-doutorado, realizado aí no ano de 2007, na École Normale Supérieure de Lyon, sobre performance vocal nos ditos escritos de Michel Foucault. O Pedro, atualmente, ele é professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, Pedro, muito obrigado e eu passo a palavra a você, então. Obrigado, Daniel. Começo agradecendo a todos os colegas de mesa. Muito feliz por tê-los todos aqui junto conosco. Je suis très heureux d'avoir tous les trois avec nous dans cette table ronde. Je commence par le titre de mon travail, agora em português. Uma doméstica fala fazendo silêncio na sala de estar. O vulnerável do sujeito nas cordas vocais. Em A Mineira Calada, crônica de Clarice Lispector, quando a narradora se refere à sua empregada Aninha, o protagonismo é de uma voz feita de silêncio. Trata de certo sentido de precariedade que a escritora nos faz ver e ouvir, começando pela descrição da voz. A narradora começa assim: Aninha é uma mineira calada que trabalha aqui em casa. E quando fala, vem aquela voz abafada, raramente fala. Eu, que nunca tive empregada chamada Aparecida, cada vez que vou chamar Aninha, só me ocorre chamar Aparecida. É que ela é uma aparição muda. Um dia de manhã estava arrumando um canto da sala e eu bordando no outro canto. De repente, não. De repente, não. Nada é de repente nela. Tudo parece uma continuação do silêncio. Continuando, pois, o silêncio, veio até a mim a sua voz. A senhora escreve livros? Duas mulheres ocupam o mesmo espaço nesta crônica. Ambas se distinguem não só pelo trabalho que as entretém, mas, sobretudo, pelo estatuto que as levam a se deparar uma diante da outra em cantos opostos de uma sala burguesa. Na emissão da pergunta inesperada que a empregada dirige à patroa, há um a mais no vozeado quase surdo e que, não obstante, se impõe na sua precária forma sonora. Tudo se passa como se a atitude vocal da doméstica, tal como descrita pela narradora que Lispector constrói em sua crônica, revelasse algo que ultrapassasse a surpresa de uma empregada se interessando pelos escritos herméticos da patroa. Cabe perguntar: seria a intenção de Lispector, neste breve relato, apenas descrever em certo instante o misterioso mundo que se inventa na voz que chega à narradora soando por um fio? Suponho que sim. Gostaria de tomar esta cena como o modo manifesto de precariedade que não se encontra precisamente em uma ou em outra, mas na impossibilidade de mútua escuta e, por consequência, na pobreza do entendimento recíproco. Refiro-me aqui a um conjunto de circunstâncias de desigualdade social
em que afirmar quem sou eu se impõe como justificativa social em contextos de interação ameaçados por experiências de precariedade. Tais justificativas sociais podem ser remetidas à ordem simbólica que subjaz e que atravessa a instância de enunciação que contém a pergunta As senhores graves livros. Não há aqui discurso que sustente posição enunciativa do eu para ocupar um lugar legítimo e reconhecido de sujeito leitor. Daí que seria impossível vislumbrar o virtual leitor dirigindo-se a uma escritora tão cultivada quanto Clarice Lispector. Ao explicitar seu espanto, a narradora pode bem sugerir que daquela voz sufocada nunca poderia vir a manifestação de interesse por seus escritos. Esta afirmação viria, porém, de um discurso inscrito numa rede interpretativa apontando na crônica um exemplo de atitude discriminatória. Contudo, pode-se ler o relato numa outra paleta discursiva. Sob esta perspectiva de discurso, outra, a expressão de espanto da escritora não colocaria em cena indicações que pudessem ser interpretadas como ato de preconceito por parte da patroa. Depois de responder que sim, escrevia livros, a cronista se mostra ainda mais desconcertada ante o inesperado pedido da empregada e prossegue. Ela me perguntou, sem parar de arrumar e sem alterar a voz, se eu podia me emprestar-lhe um. Fiquei atrapalhada. Foi franca. Disse-lhe que ela não ia gostar de meus livros porque eles eram um pouco complicados. Foi então que, continuando a arrumar e com a voz ainda mais abafada, respondeu. Gosto de coisas complicadas, não gosto de água com açúcar. Da parte dos discursos que batalham contra o estereótipo da doméstica iletrada, pode-se afirmar que sobrevém ao imaginário da patroa que a empregada seria destituída de perspicácia para a leitura. Entretanto, a narradora não se refere a Ninha como um tipo de pessoa incapaz de ler certos textos. Ao contrário, ela relata parecendo acreditar que teve diante dela alguém que simplesmente tem interesse pelo que ela escreve. Mais do que responder, a patroa cuida de bem justificar que seus livros, um pouco complicados, não atenderiam ao gosto da empregada. A menção, com voz ainda mais abafada, ressalta a marca vocal de um eu inesperado que se faz no lugar de fala reduzido à sua precária condição cultural. Tateando a possível partitura do discurso pelo qual a cronista narra um pontual acontecimento doméstico, não se trata de dar a ver como os hábitos de leitura de uma doméstica não se coadunam com o gênero de literatura que ela cria. A propósito, é a empregada que, de modo reativo, recusa a visão de que, por ser subalterna, só teria gosto por romances água com açúcar. Mas a cronista não se atém a essa reação. Em vez disso, Clarice Lispector leva a narradora a se ater não aos conteúdos dos enunciados proferidos por Aninha. Mais ainda, ao contar o episódio, a narradora realça em Aninha certo modo de falar. O que se destaca na descrição da presença da empregada é a voz, soando abafada, sufocada. Detenho-me, portanto, na enunciação que vem pela voz. Refiro-me a algo redutível ao corpo em movimento e que impede a expressão de uma certa subjetividade. A maneira de expor Aninha, através de uma voz recuada, o seu contínuo silêncio, pode produzir no leitor, como efeito discursivo, a imagem de uma existência subjetiva, socialmente muda e anônima. Tal é a forma histórica de uma vida precária. O que parece apenas um detalhe na cena descrita pela narradora vem a ser, de fato, o espetáculo da precarização das formas, não de uma ou de outra,
mas da relação entre patroas e empregadas. Esse fortuito e constrangedor encontro dialógico traz lá de fora a histórica miséria da desigualdade que atravessa a conversação entre duas mulheres tornadas distantes por díspares status sociais. Proponho que, ao destacar a materialidade vocal com que a enunciação da pergunta é realizada, Clarice Lispector confere à empregada certa maneira de existir indissociável de sua fala. Assim, realçando voz abafada de Aninha, podemos compreender como a escritora opera sua escrita sobre um discurso cujo efeito é o de dar fala a uma vida socialmente precária. De modo que a pergunta inesperada da empregada, seguida da surpresa da patroa, compõe o mesmo acontecimento que não é só da cena de enunciação ocorrida em certo tempo e espaço, mas o já lá da história de uma relação de patroas e empregadas. A propósito do hoje inominável novo normal, destaco assim, nesta crônica, a singularização histórica do que se banalizou o escândalo sempre já dito e agora escancarado da desigualdade social em tempos de pandemia. A posição discursiva agenciada em uma crítica politicamente esclarecida atribuiria à escritora o registro de um velado preconceito ao se surpreender com uma empregada que não só lê, mas expõe seu parecer a respeito do que lê. Nesta linhagem de discurso pretensamente inclusivo, pode-se até acusar que esta crônica estaria insinuando a ideia preconcebida de que uma doméstica é sempre desprovida de inteligência. Mas é possível também aplicar a esse relato um discurso outro, o que inventa um modo outro de viver precariamente. Por esse viés interpretativo, dissolve-se o discurso pretensamente denunciador das relações estruturalmente desiguais. Não se vê, no mesmo ambiente da crônica, nem o espanto arrogante da burguesa, nem a subserviência revelada na voz tênue de uma mulher julgada semi-analfabeta. Apenas o real da diferença, historicamente feita de desigualdade, num discurso a ser apreendido na escrita singular desta crônica de Clarice Lispector. Nela, antes se conta que a doméstica bravamente atua diante da patroa, sendo silêncio enquanto executa a arrumação na sala de estar. Nela, se fala do vulnerável, do sujeito, cuja potência não cessa de se inscrever nas cordas vocais. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Eu apenas esqueci também de agradecer especialmente as pessoas da organização, né, antes de começar. É sempre um grande trabalho, organização de colóquio, traduções, né? Então, acho muito importante assim, agradecer essas pessoas. Eu vou passar agora para a apresentação em seguida, sou eu mesmo, né, que apresento aqui. E então, vou precisar me apresentar, peço desculpas, mas enfim, né, vou me apresentar na primeira pessoa, ainda bem. Eu sou doutor em filosofia, né, pela Universidade Federal do Paraná, com estágio na Universidade de Paris 12. Atualmente sou pesquisador de pós-doutorado em filosofia no programa de pós-graduação em filosofia da PUC Paraná e recentemente professor colaborador do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Paraná. Minha pesquisa é basicamente ética, política e linguagem no pensamento do Foucault e a apropriação que ele faz dos pensamentos do Georges Bataille e do Maurice Blanchot. Recentemente eu abri um novo eixo de estudos a partir da biopolítica em Foucault. Escrevi o livro Experiência Política no Pensamento de Michel Foucault, que está saindo em breve pela editora da Universidade Federal do Paraná,
e organizei junto ao professor Tiago Ribas o livro coletivo Espiritualidade e Política na Contemporaneidade, que acaba de sair pela PUC Press. Então, eu gostaria de passar agora para a minha apresentação. Chama-se Biopolítica e Insegurança, né? E segurança e insegurança em Foucault, a gestão da pandemia de Covid-19 no Brasil. O início da pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, provocou uma série de reações no campo intelectual das humanidades. Sem entrar no mérito de leituras específicas, gostaríamos de levantar um ponto em comum algumas delas que gerou essa comunicação. E esse ponto em comum foi, a meu ver, a rápida crítica ao controle de circulação de pessoas, sem que essa crítica resultasse de uma análise minuciosa do campo de forças e dos saberes que estão em jogo. Por essa razão, a nosso ver, as reflexões foucaultianas em torno ao conceito de biopolítica precisam ser revisitadas de modo mais detido para verificar como que elas ainda podem contribuir com o diagnóstico do presente. Então, se nós tomarmos como base, a vontade de saber em defesa da sociedade, nós vamos encontrar as principais menções diretas ao conceito de biopolítica, ainda que este tenha sido feito pela primeira vez em 1974. A Conferência Nascimento da Medicina Social, que Foucault dá no Brasil. Bom, o Foucault mostra, né, nesses textos que eu mencionei, especialmente o final de A Vontade de Saber e a última aula de Defesa da Sociedade, como que, na medida com o avanço da industrialização, a incitação de forças, o controle de corpos e mesmo a natalidade e a mortalidade se tornaram objeto do poder. Constituem-se, então, mecanismos que funcionam no sentido de gerenciar a vida. Eu cito Foucault, em A Vontade de Saber, pode-se dizer, então, que aí o velho direito de causar a morte ou deixar viver foi substituído por um poder de causar a vida ou devolver a morte. Fim da citação. Contudo, Foucault mostra bem como é justamente a partir do momento que o poder político visa gerir a vida de modo a aumentar suas potencialidades, que ele pode também produzir a morte em escala industrial, desde as guerras aos genocídios, à colonização e ao fenômeno dos campos de concentração. Segundo Foucault, é o racismo que vai operar o corte entre o fazer viver e o deixar morrer. O racismo de tipo biológico que se desenvolveu com a transposição das teorias de Darwin para a compreensão das relações entre as populações. Contudo, a elasticidade do conceito de biopolítica parece transpor as barreiras do racismo biológico, permitindo a inserção de outras formas de racismo e de segregação, o que é indicado, no mínimo, por duas posições de Foucault. Primeiramente, a menção à guerra biológica e à guerra atômica, muito embora sejam rápidas, de forma alguma parecem pressupor sua fundamentação num racismo de tipo biológico. E, em segundo lugar, e mais demoradamente, a concepção de racismo de Estado abre margem para que outras segregações, além do racismo biológico, operem o corte biopolítico que separa o fazer viver e o deixar morrer. Nesse caso, Foucault faz uma afirmação interessante para pensarmos um pouco o nosso momento atual. E eu cito, o texto é Em Defesa da Sociedade. Por tirar a vida, não entendo simplesmente o assassínio direto, mas também tudo que pode ser assassínio indireto. O fato de expor à morte, de multiplicar para alguns o risco de morte, ou pura e simplesmente a morte política, a expulsão, a rejeição, etc. Fim da citação. De acordo com as palavras de Foucault, com o racismo não se trata apenas e necessariamente de matar com planejamento minucioso e otimizado, mas de deixar morrer. Por exemplo, expondo uma parcela de população a riscos muito maiores que outra parcela. Então, nós temos aí, a meu ver, uma elasticidade inicial do conceito de biopolítica, que abrange desde os esforços para aumentar a longevidade e diminuir a incidência de doenças, mas também a promoção de massacres, genocídios ou ainda a exposição de parte de uma população a mais riscos.
Ademais, essa elasticidade do conceito de biopolítica, que engloba desde o nazismo até o colonialismo, mas também as campanhas em torno à natalidade e à mortalidade, a meu ver, essa elasticidade parece ter levado Foucault a se dedicar aos dispositivos de segurança de 1978, no curso Segurança, Território e População. Esses dispositivos de segurança podem ajudar a atualizar mais o conceito de biopolítica de modo a explorar suas nuances, já que eles nascem conjuntamente ao liberalismo. Passo agora, então, para entrar um pouco mais a fundo nesses dispositivos de segurança e como que eles acabam criando a insegurança também, como efeito. No curso Segurança, Território e População, Foucault demarca algumas especificidades dos mecanismos que atuam na regulação dos fenômenos populacionais, doravante denominados mecanismos de segurança. Esses mecanismos são analisados no contexto de surgimento do liberalismo no século XVIII, junto aos fisiocratas, com a especificidade do liberalismo não ser considerado uma teoria econômica nem uma ideologia. Foucault vai considerar o liberalismo enquanto uma tecnologia de condução de condutas. Os dispositivos de segurança incidem e criam também uma forma sujeito diferente dos sujeitos de direito e das suas vontades, como no caso da soberania. Esses dispositivos de segurança também não incidem sobre os organismos para os adestrar de modo a fixá-los a um aparelho de produção, como no caso das disciplinas. Muito embora, claro que a adequação a um aparelho produtivo nascente, ou seja, a incipiente industrialização, né, que criam aparelhos de produção novos, ora, fixar esses corpos a esses mecanismos seja um objetivo importante para os mecanismos de segurança, o plano de atuação deles é o de outro nível, né? Os mecanismos de segurança investem sobre uma população que age num meio, não o corpo dos indivíduos, mas a vida da população que age num meio. Cito Foucault, ou seja, uma multiplicidade de indivíduos que são e que só existem profunda, essencial, biologicamente ligados à materialidade dentro da qual existem. Logo, então, os dispositivos de segurança atuam nesse meio, que é o espaço da ação de uma população, que por sua vez é afetada por acontecimentos quase naturais, como epidemias, desemprego, acidentes, envelhecimento, natalidade, mortalidade, etc. Quase naturais por quê? Porque Foucault vai mostrar como para esses mecanismos eles seriam naturais, mas eles não são naturais, obviamente. Bom, desse modo então, qual que é a diferença, né, desses dispositivos? É que ao invés de eles atuarem sobre um território estanque como a soberania, e ao invés de incidir diretamente sobre o corpo dos indivíduos, como no caso das disciplinas, os dispositivos de segurança agem num meio em que uma população age. Cabe ainda pormenorizar que essa noção de meio engloba tanto uma dimensão física e biológica, evidentemente, mas também artifícios humanos, visto que, por exemplo, as relações de troca, de trabalho, de propriedade, também integram esse meio sobre o qual agem os dispositivos securitários. Então, é agindo sobre esse meio e não diretamente sobre a população que essa população vai poder ser conduzida por esses dispositivos. Eles também têm uma concepção específica de norma, né, cada um desses dispositivos. E o Foucault resume a diferença da relação com a norma nos dispositivos de soberania, disciplinar e segurança quanto aos seus efeitos de normalização, né? Para tratar da normalização securitária, o mais importante exemplo que o Foucault traz é o caso da epidemia de varíola no século XVIII, né? Que por ser uma doença aí com surtos muito intensos e alta mortalidade, isso levou à experimentação de práticas médicas que eram exóticas para aquele período. E essas práticas são a da variolização, né, ou a inoculação com varíola humana, no século XVIII, e a vacinação jenneriana no início do século XIX, que era feita com com varíola de bovinos, e que era muito menos letal e com risco de transmitir, menos risco de transmitir outras doenças, né.
mas o Foucault vai se focar na variolização, que é a mais arriscada, né? E aquilo que vai chamar a atenção para ele, nesses casos, é a discrepância entre a teoria médica e a prática clínica. Então, o Foucault vai mostrar que a prática da variolização, apesar de não ter nenhuma fundamentação para a teoria médica da época, se tornou aceitável para aquilo que ele vai chamar de uma polícia médica, tanto porque ela se apoia num suporte matemático e estatístico que a justifica, quanto por ela se desenvolver de acordo com a mesma racionalidade de outros mecanismos de segurança que já existiam. E essa racionalidade consiste no seguinte: ao invés de tentar impedir um fenômeno indesejável, né, como os dispositivos disciplinares, os dispositivos de segurança visam apoiar-se na realidade desse fenômeno, não para procurar impedi-lo, mas ao contrário, para fazer funcionar em relação a ele outros elementos do real, de modo que o fenômeno, de certo modo, se anulasse. É nesse sentido que se torna aceitável provocar a própria varíola de modo menos intenso nos indivíduos, para que a varíola não os atingisse de modo intenso, mesmo quando não se sabia por que e como isso acontecia. Vamos lembrar aí que não havia teoria dos germes, né? Não se sabia quais eram os micro-organismos, né? Que eram micro-organismos que causavam esse tipo de doença infecto-contagiosa. Então, os dispositivos de segurança também abarcam uma dimensão econômica, né, visto que eles agem sob um meio que é simultaneamente natural e artificial. Nesse sentido, o direcionamento dos fluxos econômicos também é parte do governo das populações. Na aula de 25 de janeiro de 78, Foucault vai dizer que nesses dispositivos securitários, eu cito, se quiser favorecer a população ou conseguir que a população esteja numa relação justa com os recursos e as possibilidades de um Estado, é necessário agir sobre toda uma série de fatores, de elementos que estão aparentemente longe da própria população, do seu comportamento imediato, longe da sua fecundidade, da sua vontade de reprodução. É necessário, por exemplo, agir sobre os fluxos de moeda que vão irrigar o país, saber por onde esses fluxos de moeda passam, saber se eles irrigam, de fato, todos os elementos da população, se não deixam regiões inertes, etc. Fim da citação. Logo então, né, problemas que ainda permanecem atuais, como por onde passam os fluxos de capitais, as funções dos impostos, quem paga mais ou quem paga menos impostos, também são abarcados pelos dispositivos securitários. Deste modo, então, aí a produção e a distribuição de riquezas será outro campo de atuação desses dispositivos, cujo efeito vai ser da ordem da condução de condutas. Ou seja, eu mostrei aqui um exemplo que é da ordem biológica, mais próximo do biológico, muito embora não seja apenas biológico, porque a varíola se dava nas cidades, né? Mas também mostrei aqui um exemplo do ponto do meio, quando ele é considerado no seu artifício máximo humano, né? Que é a invenção de um mercado. Bom, complementando aí as análises do Foucault, nós gostaríamos de chamar a atenção para algo que ele não menciona diretamente, mas que parece ser uma consequência das suas análises, que é o fato de que a insegurança existe em correlação direta com os mecanismos de segurança. A gestão da segurança implica na produção da insegurança, que pode ser minimizada, mas também maximizada para certos grupos ou instrumentalizada para determinados fins, que pode ser alvo de interesses ou cálculo econômico. Nesse caso, nós estamos de acordo com Thomas Lenk quando ele afirma, e eu cito, que o liberalismo não produz apenas liberdades, que são permanentemente ameaçadas pelas suas próprias condições de produção e requerem mecanismos de segurança. Perigo e insegurança, a ameaça do desemprego, pobreza, degradação social, etc., não são somente consequências indesejadas ou efeitos colaterais negativos, mas sim condições essenciais e elementos positivos da liberdade liberal. Nesse sentido, o liberalismo cultiva o perigo. Ele sujeita o perigo a um cálculo econômico, pesando suas desvantagens contra os seus custos.
Por conseguinte, então, com a produção de insegurança numa sociedade marcada por dispositivos de segurança, não é preciso fazer execuções em massa e perseguir politicamente os indesejáveis. Para isso, basta agir no meio, de forma a expô-los a maiores perigos, obrigando-os a sair de casa numa pandemia, porque essas pessoas têm baixa renda e empregos informais sem proteção legal. Basta expor a moradia precária e a falta de saneamento básico, expor a riscos ambientais e a desequilíbrios ecológicos. Basta implementar, por exemplo, que em um momento de escassez mundial de vacinas durante uma pandemia, as vacinas possam ser vendidas primeiramente a pessoas ou empresas que pagarem por ela. Nesse sentido, quando o liberalismo se torna um modo de conduzir condutas, a insegurança atualiza a dimensão do deixar morrer anteriormente mencionada, enquanto a segurança diz respeito ao fazer viver da biopolítica, com a ressalva, é claro, que uma não existe sem a outra. Passando agora na abordagem do gerenciamento da pandemia de Covid-19 pelo governo brasileiro, inicialmente a gente precisa fazer uma importante ressalva acerca dos saberes contemporâneos. Além deles terem se desvencilhado de toda forma de racismo biológico, a epidemiologia, em especial, tem amplamente admitido e investigado a influência de fatores sociais para o desenvolvimento das epidemias, desde a perda de liberdades até a desigualdade e violência. Contudo, mesmo para especialistas em saúde pública, o receio inicial era a possibilidade de um governo com fortes tendências autoritárias se aproveitar da pandemia para ampliar formas de controle social e impedir liberdades civis, tal como a própria professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, Deise Ventura, comenta em uma conversa com o microbiologista e divulgador científico Átila Iamarino, em 24 de março de 2021. Esse receio, contudo, rapidamente deu lugar a um assombro quando a estratégia de gerenciamento da pandemia se mostrou ainda mais mortal. Juntamente aos Estados Unidos de Trump, o governo brasileiro, liderado por Jair Bolsonaro, apostou na imunização da população através de contágio, adoecimento, sequelas e morte. Mesmo tendo um sistema de saúde pública capilarizado no território nacional e um programa de imunização elogiado internacionalmente, o Brasil ainda hoje carece de um robusto plano nacional de enfrentamento à Covid-19. Deste modo, coube aos governadores e prefeitos implementarem políticas e medidas para assegurar o distanciamento social, enquanto parte do Congresso tentava adotar medidas que obrigassem o governo federal a conter a disseminação do vírus. Mas a postura do governo federal se deu no sentido de sabotar os esforços coletivos que visavam distanciamento social e o uso de máscaras. Isso se deu a partir da propagação de tratamentos ineficazes que conferem às pessoas apenas os efeitos adversos dos medicamentos, com a sistemática promoção de aglomerações e a minimização dos efeitos da doença em declaração do próprio presidente. Por essa razão, o relatório do CPDISA deixa claro como, muito embora aquilo que mais repercuta na mídia sejam as falas do presidente, que pode dar uma certa ideia de que haveria uma contradição entre aquilo que é dito e aquilo que é feito, na verdade, o governo brasileiro adotou a estratégia de adoecer a população sem grandes contradições com as falas públicas, ou seja, fala e ação estão em consonância. O grupo de pesquisa, que analisa 3.049 atos da União, conclui que não se pode falar sequer em erros ou descuidos por parte do governo. E eu cito o relatório do CPDISA, que é um grupo de saúde pública da USP, os resultados afastam a persistente interpretação de que haveria incompetência e negligência da parte do governo federal na gestão da pandemia. Bem ao contrário, a sistematização de dados, ainda que incompletos em razão da falta de espaço para tantos eventos, revela o empenho e a eficiência da atuação da União em prol da ampla disseminação do vírus em território nacional, declaradamente com o objetivo de retomar a atividade econômica o mais rápido possível e a qualquer custo. Fim da citação. Vale ressaltar também que,
logo no início da pandemia, a ajuda ao mercado financeiro veio de um modo muito mais rápido e com pouco questionamento sobre o fato da crise econômica se formar antes devido a problemas de produção do que de financiamento. Ainda em março de 2020, o Banco Central Brasileiro anunciou um pacote de medidas para garantir a liquidez do mercado financeiro, totalizando um montante de 1,2 trilhões de reais. Nenhuma contrapartida foi exigida com relação a essa medida, cujos beneficiários foram principalmente bancos e corretoras de investimento. Então, para concluir, nós gostaríamos de destacar que o conceito de biopolítica de Foucault nos ajuda a pensar um paradoxo trazido pela pandemia no Brasil. Talvez até hoje, a meu ver, salvo se eu tenha esquecido de, enfim, olhar alguma teoria clássica do poder, mas acredito eu que até hoje nenhuma grande teoria do poder tenha pensado que o excesso de poder pode se dar pela inação. Geralmente, os casos clássicos de excesso de poder envolviam um injusto atentado contra a vida dos súditos, ou a conversão forçada, ou a legislação persecutória em matéria religiosa. Isso de acordo com as teorias clássicas do poder do século XVIII. Contudo, a inação nunca parece ter sido o alvo dessas grandes teorias. E, a meu ver, é justamente a partir de uma analítica do poder, e não de uma teoria do poder, mas de uma analítica que é preocupada muito mais em esmiuçar a questão como o poder se passa, que se pode constatar que talvez nunca tenha ficado tão explícito que a inação, no sentido de não tomar medidas sanitárias que implicam na restrição temporária de certas liberdades por motivos de saúde pública, e pregar que se deve ter uma vida quase normal, enquanto um vírus respiratório com alta probabilidade de mutação se espalha, essa inação é um modo de agir no meio, e não diretamente sobre o corpo e as vidas das pessoas. Contudo, agindo sobre o meio, dificultando a implementação material de medidas de distanciamento social e uso de equipamentos de proteção em nome da liberdade de ir e vir, pode-se facilmente multiplicar o número de infectados, de sequelados e de mortos. Por outro lado, pensamos também que apenas se pode responsabilizar um governo pelas milhares de mortes causadas devido à estratégia de um laissez-faire contaminante, uma vez que se está sob uma racionalidade biopolítica. Então, do mesmo modo, a própria estratégia de fazer o vírus circular também é parte de uma racionalidade biopolítica, visto que a gestão dos fenômenos vitais em massa de uma população, seja para favorecer a contaminação e promover o genocídio, seja para preveni-la e evitar o maior número possível de mortos, apenas reforça o diagnóstico que se vive sob um regime de condução de condutas que ainda opera de acordo com as linhas gerais daquilo que Foucault chamou de biopolítica. Se nós reduzirmos a biopolítica a um adjetivo negativo ou positivo, parece que nós perdemos a capacidade analítica desse conceito. Contudo, o fato de que ambas as formas de se lidar com a pandemia possam ser enquadradas na biopolítica, a meu ver, não leva à conclusão de que desse modo elas se equivalem. Isso também não conduz à conclusão de que esse conceito não ajuda, então, a analisar aquilo que se passa na medida em que abrange realidades tão diferentes. Ocorre que Foucault não pretende fornecer uma concepção normativa clássica de poder. Seu diagnóstico não visa simplesmente afirmar sejamos a favor ou contra a biopolítica ou o poder disciplinar, etc. Não se trata de adotar a postura segundo a qual caberia à filosofia legislar sobre o poder. Mas, de forma alguma, isso resulta numa diminuição da dimensão crítica desse pensamento. Muito pelo contrário, essa analítica do poder visa construir uma forma específica de diagnóstico crítico do presente que se porta enquanto um desafio ao real. Esse é um importante tema da mesa redonda de 20 de maio de 1978, em que o Foucault define qual seria a especificidade da dimensão crítica do seu pensamento. E eu cito aqui, a crítica não precisa ser a premissa de um raciocínio que termina do seguinte modo,
Aqui está o que vocês precisam fazer. Ela deve ser um instrumento para aqueles que lutam, resistem e não querem mais aquilo que é. Ela deve ser usada no processo de conflitos, de confrontos, de tentativas de rejeição. Ela, a crítica, não tem que estabelecer a lei da lei. Ela não é uma etapa de um programa. A crítica é um desafio em relação àquilo que é. Fim de citação. Eu acho que recentemente o livro do César Candioto sobre Foucault, A Dignidade da Luta Política, faz brilhantes apontamentos sobre passagens como essa. A tese central, construída com minúcia, é que há uma certa normatividade no pensamento foucaultiano. Contudo, não se trata de uma normatividade advinda de uma filosofia primeira, do uso de uma faculdade inerente ao homem, ou de uma razão intersubjetiva, tal qual boa parte da teoria política tem se desenvolvido até agora. Essa normatividade, que não quer fazer a lei da lei, ela é imanente às lutas políticas, e que, por isso, ela nunca vai poder ser definida de antemão. Da mesma forma que nunca poderá ser definido de antemão aquilo que é um excesso de poder. Na medida em que as relações de poder são sempre relações móveis, o mesmo se passa com as formas de tentar revertê-las. E aí, por essa razão, eu penso que uma analítica política como essa pode ajudar a compreender como foi possível que, por exemplo, praticar o isolamento social e o uso de máscaras, lutar pelo direito e as condições materiais para que os outros pudessem fazer a mesma coisa, lutar pelas vacinas que ainda não tínhamos e para que elas fossem distribuídas ainda de um modo gratuito pela saúde pública, enquanto elas eram e ainda são escassas, e depois tomar a decisão de ir às ruas, porque nada disso estava garantido, e para cobrar a responsabilização do governo federal pelos seus atos e omissões, tudo isso foi uma luta contra um excesso de poder que se resumiu em, durante uma pandemia, tentar nos obrigar a nos conduzir tal como nós nos conduzimos antes dela. A autorrestrição das nossas liberdades mais básicas e, posteriormente, a exposição ao risco de contaminação em manifestações, certamente diminuída através da ampla distribuição de máscaras PFF2, elas foram uma forma de afrontar um excesso de poder que se manifestou através da defesa de uma liberdade que, num contexto de pandemia, significa um autossacrifício e um sacrifício compulsório dos outros. A reivindicação da ampliação dos mecanismos de segurança para o combate à insegurança trazido pela pandemia e pelas condições econômico-sociais no Brasil foi uma forma de afrontar o autoritarismo do atual governo e a hipocrisia de uma elite econômica que defendem a reprodução dessa insegurança. Finalmente, eu gostaria de lembrar um texto do Daniele Lorenzini, que está aqui com nós, Biopolítica nos Tempos de Coronavírus, traduzido aqui no Brasil pelo Thiago Ribas, na revista do Instituto Humanitas, que me pareceu um dos mais lúcidos no uso do pensamento foucaultiano para esmiuçar esses problemas traduzidos pela pandemia. Juntamente à distribuição desigual das formas de vulnerabilidade, né, que até agora eu tratei aqui através do tema da insegurança, o Lorenzini chama a atenção para que, enquanto parte de uma ontologia do presente, a biopolítica diz respeito àquilo que nós somos. Por isso que não faz sentido ser a favor ou contra. E eu acrescento ainda que o principal objetivo dessa ontologia crítica é mostrar como viemos a ser aquilo que somos, mas para que deixemos de ser aquilo que somos, fazemos e pensamos. Isso de modo a servir de ferramenta para aqueles que lutam contra os excessos de poder. Nesse caso, novamente, a meu ver, o pensamento foucaultiano mostra a sua atualidade. No Brasil e na América Latina, de um modo geral, nós construímos sociedades que banalizaram graus extremos de exploração econômica, de violência, de criminalização de movimentos sociais. Toda e qualquer conquista de proteção social sempre é dificilmente construída e facilmente ameaçada com a menor mudança política. Contudo, eu penso que a crítica da atual gestão política da pandemia no Brasil pode ser um ponto de articulação de diversas lutas políticas, tanto aqui quanto o mundo afora. A luta por uma previdência social nivelada por cima e não por baixo,
Uma vez que a pandemia mostrou como os mais velhos e pobres no Brasil são muito mais afetados pelos riscos de contaminação, e uma vez mortos os mais velhos, as famílias que eram ajudadas por esses aposentados foram jogadas na miséria, a luta por direitos trabalhistas que protejam o trabalhador e seu salário, já que muitos foram obrigados a trabalhar porque o despejo e a fome eram uma certeza, enquanto a morte e a sequela pela contaminação eram uma possibilidade. A luta por uma renda mínima universal, que não seja calculada em termos de miséria mínima, as lutas contra o racismo, o machismo e a homofobia se mostraram também aliadas à contenção da pandemia. Bastando lembrar, como o próprio presidente afirmou, que nós devemos enfrentar a pandemia enquanto homens e não enquanto maricas. Ora, agir enquanto marica e não encarnar o tipo de masculinidade frágil, violenta e autossacrificial sustentada pelo governo atual é uma forma de proteger a si mesmo e aos outros. Desse modo, as pautas defendidas pelos movimentos dos trabalhadores, os movimentos sem terra em sua luta por acesso à terra e uma produção sem agrotóxico, o movimento do sem teto em sua luta por moradia, os movimentos LGBTs, os movimentos antirracistas, os partidos e ONGs que lutam por impostos progressivos, a luta pelo fortalecimento e ampliação do Sistema Único de Saúde, a luta das universidades e institutos de pesquisas por financiamento público, todos eles encontram um ponto de articulação comum no enfrentamento àquilo que é um projeto de Brasil defendido pelo atual governo e quase toda a nossa elite oligárquica. Certamente isso vai implicar em inúmeras lutas e no enfrentamento para com aquilo que nós somos enquanto país também, né? Isso implica numa certa espiritualidade política e em fazer da política uma forma de experiência. Mas isso já é um assunto que eu deixo para uma outra ocasião. A meu ver aqui, que a ótica foucaultiana nos faça parar de fazer uma crítica do controle antes de analisar as relações de força que estão em jogo e ajude a colocar a nós mesmos em jogo, já está de bom tamanho. Muito obrigado. Bom, agora, então, eu gostaria de passar a palavra. Não, na verdade, eu preciso ainda apresentá-lo, né? Eu gostaria de apresentar o Daniele Lorenzini. O Daniele, ele é professor associado de filosofia na Universidade de Warwick, onde ele co-dirige o Center for Research in Post-Kantian European Philosophy, é o Centro de Pesquisa em Filosofia Europeia Pós-Kantiana. O Daniele também é autor dos livros La Force du Vrai, de Foucault a Austin, A Força do Verdadeiro, de Foucault a Austin, e Éthique et Politique de Soi, Foucault, Adot, Cavell et les Techniques de l'Ordinaire. Ética e Política de Si, Foucault, Adot e as Técnicas do Ordinário. Antes de passar a palavra ao Daniel, eu vou apenas compartilhar aqui a minha tela para que vocês consigam acompanhar a fala do Daniel. Então, juste un minute, Daniel, je vais partager mon écran ici. Oui. Merci, je peux déjà peut-être commencer par remercier Daniel pour ta présentation, Pedro pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici en attente de venir au Brésil des personnes, j'espère, dès que cela deviendra à nouveau possible. Je vais aussi vous demander pardon d'avance, car j'ai des travaux à la maison, donc il y aura peut-être un peu de bruit, mais j'espère que ça va aller. Daniel, est-ce que tu as oui. partagé ouais. Oui, tout à fait, ça marche. Super. Alors, dans mon intervention d'aujourd'hui, je voudrais construire un dialogue à distance entre Walter Benjamin et Michel Foucault à partir de trois thèmes. Premièrement, leur conception du moment présent
ou plus précisément du rapport vertical que les présents instituent avec les passés, et donc leur intérêt, non pas tant pour une histoire des discontinuités, mais pour une vision de l'histoire comme discontinuité, dont la portée est explicitement éthico-politique. Deuxièmement, je vais m'épancher sur leur attention pour les opprimés et les infâmes. Et troisièmement, je vais parler de leur vision hétérotopique ou contre-utopique de l'histoire, qui définit l'attitude messianique ou critico-expérimentale de l'historien-philosophe dont ils parlent. Bon, donc, première partie de mon exposé. Dans ses thèses sur les concepts d'histoire, Benjamin oppose systématiquement au temps homogène et vide de l'historicisme, les temps qualitatifs, c'est-à-dire hétérogènes et remplis, de l'historiographie matérialiste. Mais ce qui compte, encore plus que cette simple opposition, c'est la manière dont Benjamin conçoit les présents et son rapport avec les passés. Dans la thèse 17, il soutient que la pensée n'est pas seulement faite du mouvement des idées, mais aussi de leur blocage. Et lorsqu'elle s'immobilise, elle communique à son objet un choc qui la cristallise en monade. Ces monades, signes d'un blocage messianique des événements, sont précisément les objets dont s'intéresse l'historien matérialiste, un historien qui est en même temps un militant, car ces blocages messianiques constituent aussi des chances révolutionnaires dans les combats pour les passés opprimés. L'historien matérialiste est donc appelé à arracher une époque déterminée au cours homogène de l'histoire, d'après Benjamin, une vie particulière à une époque, un ouvrage particulier à l'œuvre d'une vie. Pourtant, dans la thèse 16, Benjamin suggère que ces blocages messianiques ne sont pas seulement des objets historiques, des constellations, des tensions qui appartiennent au passé. Les présents de l'historien matérialiste, c'est-à-dire du penseur révolutionnaire, est lui aussi arrêt et blocage du temps. Lui aussi monade allant à la rencontre d'autres monades, non pas certes pour les actualiser ou pour les approprier purement et simplement, mais pour produire à l'instant du danger ces chocs qui est censé relancer la lutte de la classe opprimée. À la fin de sa vie, dans un article consacré à Was ist Aufklärung, Foucault soutient que ce texte de Kant concerne la pure actualité, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à comprendre les présents à partir d'une totalité ou d'un achèvement futur, mais qu'il est en quête d'une différence. Quelle différence, aujourd'hui, introduit-il par rapport à hier ? Foucault définit alors la modernité, ou du moins celle dont il veut se réclamer, non pas comme une époque ou une période de l'histoire, comme un âge du monde auquel on appartiendrait, mais non plus comme les signes ou l'aurore d'un accomplissement, mais comme une attitude. En commentant cet article, Judith Revel fait très justement remarquer qu'ici Foucault semble vouloir se débarrasser d'une méthode d'analyse qui consiste à bâtir des périodisations, à circonscrire des âges ou des blocs épistémiques avec leurs caractéristiques spécifiques, une méthode qu'il avait lui-même utilisée dans ses études archéologiques. Dans Histoire de la folie, Naissance de la clinique, Les mots et les choses et jusqu'à l'archéologie du savoir, Foucault avait pratiqué une histoire des discontinuités qui visait à définir les caractéristiques des différentes épistémées, préclassiques, classiques, modernes, en signalant les écarts qui les séparent. Cela donnait lieu à une scansion des discontinuités dans l'histoire, dit Judith Revel, à une succession de périodisations distantes l'une de l'autre et grâce à cela définies en elles-mêmes. Or, dans son article américain sur Kant, Foucault indique très clairement qu'il ne s'agit plus, comme dans ses enquêtes archéologiques, de retracer une histoire des discontinuités en assumant en quelque sorte un point de vue de nulle part, ou en tout cas en évitant de thématiser explicitement son propre présent. Au contraire, les présents dans lesquels l'historien-philosophe parle révèlent désormais aux yeux de Foucault une place fondamentale. Il s'agit non seulement
de mettre en exergue les caractères situés du regard de l'historien philosophe, mais aussi et surtout d'interroger la différence qui sépare les présents du passé, et donc de donner à son propre présent l'autorité d'interpeller les passés en choisissant dans ces derniers les éléments qu'il est stratégiquement important de mobiliser aujourd'hui. Chez Benjamin, tout comme chez Foucault, on ne trouve donc pas exactement une histoire des discontinuités, écrite de manière prétendument objective depuis un point de vue qui se voudrait universel, mais une histoire comme discontinuité, écrite à partir de cette discontinuité première et radicale qui est constituée par l'aujourd'hui ou la présent de l'historien philosophe. C'est cela, affirme Patrick Boucheron, prendre l'histoire à rebrousse-poil. Non pas, je cite Boucheron, envisager le passé comme un point fixe que l'on s'efforce de connaître en se rapprochant de lui à tâtons, mais c'est persuader qu'il n'y a d'histoire que depuis l'actualité du présent. D'une part, d'après Benjamin, la génération présente est appelée à se constituer sa propre histoire, à utiliser sa faible force messianique pour rédimer les passés et ouvrir ainsi un futur radicalement nouveau. En effet, l'objectif de Benjamin, dans les thèses, est moins de soutenir que l'historien matérialiste doit écrire l'histoire des opprimés de manière discontinue, que de montrer que le point de vue des opprimés sur l'histoire est lui-même essentiellement discontinu, car la seule continuité à travers l'histoire est celle de la domination. C'est le point de vue messianique ou utopique, si l'on accepte de donner à ces termes un sens radicalement différent de celui traditionnel des télos de l'histoire. D'autre part, chez Foucault, le véritable philosophe moderne est caractérisé par une attitude qu'il appelle historico-critique. Son point de vue est celui d'une ontologie critique de nous-mêmes, Daniel vient de nous en parler, qui, loin de n'être qu'une exigence épistémologique, possède une portée à la fois éthique et politique. Il s'agit d'un ethos consistant à analyser ce que nous sommes en tant qu'êtres déterminés en grande partie par l'histoire, mais aussi et par là même à mettre à l'épreuve les limites que l'histoire nous impose pour entreprendre un travail expérimental, créatif, inventif, inaugural, de nous-mêmes, sur nous-mêmes, en tant qu'êtres libres. C'est le présent conçu soit comme blocage messianique, soit comme différence radicale, appelant à une attitude historico-critique qui permet de penser l'histoire comme discontinuité et d'ouvrir ainsi aux individus la possibilité d'une action libre, créative et révolutionnaire. En effet, ce n'est que dans les moments présents que l'on peut agir librement. Les stoïciens le savaient bien. Benjamin et Foucault reprennent cette maxime ancienne, non pas pour se débarrasser de l'histoire, mais pour souligner l'importance du travail que l'historien philosophe et militant accomplit dans les moments présents. Ces derniers est alors pensé comme un événement introduisant une césure au cœur de l'histoire, une inversion dans les rapports des forces. Chez Benjamin, cette inversion est corrélative à une attitude que l'on pourrait définir messianique, une attitude qui est éthique parce qu'elle requiert du courage face au danger, tout en témoignant d'une prise de responsabilité vis-à-vis des opprimés d'autrefois, et qui est politique, d'autre part, parce qu'elle fonde la possibilité de résister au fascisme aussi bien que celle de la révolution de la classe ouvrière. Une telle révolution, aux yeux de Benjamin, qui prend ici clairement ses distances de Marx, n'est pas censée accomplir l'histoire, car elle ne peut rédimer les passés qu'en interrompant l'évolution historique plutôt qu'en la complétant. C'est pourquoi elle ne tombe pas dans l'illusion d'une liberté absolue, ni dans celle d'une libération définitive. Chez Foucault, cette inversion est corrélative à une attitude critique et expérimentale, une attitude qui est éthique parce qu'elle suppose le courage de ne plus être, faire ou penser ce que nous sommes, faisons ou pensons, et qui est politique parce qu'elle ouvre l'espace pour ce que Foucault appelle des pratiques des libertés, en les opposant au mythe d'une libération ultime.
Que les présents soient conçus comme blocage ou comme différence, un lien avec une attitude messianique ou avec une attitude critico-expérimentale, ils constituent en tout cas les véritables moteurs de l'histoire, pour Benjamin ainsi que pour Foucault. En effet, c'est l'aujourd'hui ou la présent qui introduit la discontinuité dans l'histoire, qui ne cesse à vrai dire de l'introduire à tout moment. L'historien philosophe qui habite ces présents n'étudie donc pas depuis une position neutre l'histoire des discontinuités passées. Il établit au contraire avec les événements du passé un rapport de choc, c'est-à-dire un rapport de pouvoir, un rapport stratégique. Les gestes de l'historien philosophe dans le présent et donc éthico-politique avant même qu'épistémologique, il vise à briser toute illusion de continuité et à contester toute référence à l'universel afin d'équiper les individus d'armes pour la lutte. Bon, deuxième partie de mon intervention. Donc, dans la thèse 17, Benjamin parle du et appelle au combat pour les passés opprimés. Ces combats, comme il les précise dans la thèse 7, ne peut être mené que par l'historien matérialiste qui, à la différence de l'historiciste, ne s'identifie pas au vainqueur, ne se présente pas comme l'héritier de tous les vainqueurs du passé pour s'aménager une place dans ces cortèges triomphales où les maîtres d'aujourd'hui marchent sur les corps de ceux qui aujourd'hui gisent à terre, mais se place résolument du côté des vaincus. Les combats pour les passés opprimés est donc en même temps et surtout un combat pour les individus opprimés, pour ceux qui l'ont été autrefois et pour ceux qui le sont encore. Comme Benjamin l'écrit dans la thèse 12, je cite, les sujets de la connaissance historique et la classe combattante, la classe opprimée elle-même. Pardon, je vais prendre un verre d'eau. Mais qui sont donc exactement les opprimés, les vaincus auxquels Benjamin se réfère? Ce sont sans doute, du moins si l'on songe aux deux ou trois derniers siècles, les membres de la classe ouvrière. Ce sont aussi, plus en général, tous les membres des classes dominées au cours de l'histoire de l'humanité. Ces hommes et femmes, donc je vais monter, peut-être ça va aller un peu mieux, ça donne un peu de vraie vie. Ces hommes et femmes sans nom, infimes et infâmes, que l'histoire a le plus souvent oublié et que l'historien matérialiste est appelé à sauver, en se présentant et en donnant littéralement corps à ces rendez-vous tacites entre les générations passées et la nôtre, dont Benjamin parle dans la thèse 2. Une attention similaire pour les vaincus du passé, dont les voix ne peuvent être retrouvées qu'enfouies dans les archives, se retrouve bien entendu chez Foucault. Les hommes et les femmes cités dans les lettres décachées au XVIIIe siècle, Pierre Rivière et Herculine Barbin au XIXe siècle, ce ne sont que les exemples les plus connus d'hommes et des femmes infâmes dont Foucault a essayé de faire entendre à nouveau la voix. Son fameux texte de 1977, La vie des hommes infâmes, fruit d'une recherche conduite à la Bibliothèque nationale de France sur les archives de l'enfermement de la police déplacée au roi et des lettres du cachet, devrait servir d'introduction à une anthologie des fragments et des brèves notes décrivant la vie d'un individu en un poignée de mots, et écrit Foucault, décrétant ainsi sa folie ou sa dangerosité et en même temps les fixant pour toujours au récit de son existence malheureuse. Il devait s'agir d'une biographie perpétuelle de l'infamie, une sorte d'anti-Plutarque recueillant des textes, comme par exemple celui-ci, je cite, Mathurin Milan, mis à l'hôpital des Charentons le 31 août 1707, sa folie a toujours été de se cacher à sa famille, de mener à la campagne une vie obscure, d'avoir des procès, de prêter à usure et à fond perdu, de promener son pauvre esprit dans des routes inconnues
et de se croire capable des plus grands emplois. En publiant ces fragments d'archives, Foucault souhaitait que du choc de ces mots et de ces vies naisse pour nous encore un certain effet mêlé des beautés et des froids. Une telle opération éditoriale n'est relevée pourtant pas de cette muette contemplation esthétisante, ou pire encore, de cet irrationalisme esthétisant dont Carlo Ginzburg a accusé Foucault. Certes, Foucault n'a pas fait œuvre d'historien pur, comme Carlo Ginzburg l'aurait souhaité. Il n'a pas fait de Pierre Rivière ou d'Herculem Barbin, des Menocchio, et de ce point de vue, il n'a pas réellement contribué à l'essor de la micro-histoire grâce à laquelle les persécutés et les vaincus que l'historiographie liquidait comme des marginaux, mais qu'elle passait le plus souvent entièrement en silence, s'est trouvée désormais placée au centre de la recherche, comme Carlo Ginzburg les voulait. Mais si Foucault n'a pas écrit d'ouvrage reconstituant la vie, les actions et les pensées de ces hommes et femmes infâmes, ce n'est nullement parce qu'il n'était intéressé qu'aux gestes et aux critères de l'exclusion, plutôt qu'aux exclus eux-mêmes. C'est que son objectif était profondément différent de celui de Carlo Ginzburg, qui, en écrivant « Les fromages et les vers », s'est proposé de surmonter l'obstacle constitué par le fait que les voix des persécutés nous parviennent, quand elles nous parviennent, à travers les filtres des questions posées par les inquisiteurs, transcrites par leurs notaires, et de reconstruire de manière historiquement rigoureuse un fragment de ce qu'on a pris l'habitude d'appeler la culture des classes subalternes. Or, l'objectif de Foucault était moins historique que politique. Ce qu'il fait avec les mémoires de Pierre Rivière et d'Herculem Barbin, ce qu'il fait avec les lettres du cachet, c'est une opération au fond analogue à celle qu'avait donnée naissance en 1971 au groupe d'information sur les prisons. Il s'agit de donner voix aux vaincus et aux infâmes d'autrefois, tout comme il s'agissait de donner voix aux détenus, vaincus et infâmes d'aujourd'hui. Donner voix, car l'historien, philosophe et militant ne doit pas supposer ou substituer sa voix à la leur, mais jouer les rôles des caisses de résonance afin de transmettre ses voix infimes à l'extérieur de la prison, à l'extérieur de l'archive. Certes, Foucault voulait pousser les lecteurs à s'interroger sur les raisons qui ont fait qu'il a été soudain si important dans une société comme la nôtre qu'elle soit étouffée à moine scandaleux ou un usurier fantastique et inconséquent. Mais il s'est proposé aussi et surtout de donner voix à ces vies qui appartiennent à ces milliards d'existences qui sont destinées à passer sans trace, à ces individus qui ont réellement vécu, mais qui n'existent plus pour nous que par les quelques mots terribles qui étaient destinés à les rendre indignes pour toujours de la mémoire des hommes. Comment ces existences et ces individus absolument anonymes ont-ils pu au moins en partie parvenir jusqu'à nous? D'une part, c'est évidemment grâce au hasard, mais c'est aussi, d'autre part, que ces vies obscures ont rencontré les pouvoirs qui, en les écrasant, a jeté en même temps un fâcheux des lumières sur elles et les a ainsi arrachées à la nuit où elles seraient sans doute restées pour toujours. Donner voix à l'infime, à l'infâme, donner voix aux individus anonymes et opprimés, c'est donc, par les mêmes gestes, dévoiler l'exercice du pouvoir, non pas dans l'abstrait, mais dans son fonctionnement concret et ordinaire. Au lieu d'une micro-histoire, on trouve bien chez Foucault une microphysique du pouvoir. Rien de ce qui eut jamais lieu n'est perdu pour l'histoire. Cette vérité qui, d'après Benjamin, donne toute sa valeur au travail du chroniqueur et que Carlo Ginzburg cite avec approbation à la fin de l'avant-propos du fromage et les vers, acquiert par conséquent chez Foucault un sens très spécifique. Si, pour Benjamin et Ginzburg, ce n'est qu'à l'humanité rédimée, ainsi que bien entendu à l'historien matérialiste ou au micro-historien, qu'échoit pleinement son passé, Foucault, lui, ne porte jamais sur les passés un regard des fins du monde ou des jugements derniers. Si rien n'est perdu pour l'histoire, c'est que les pouvoirs,
une certaine forme historiquement déterminée des pouvoirs, est toujours à l'œuvre et que les chocs produits par la rencontre avec elle inscrit et fige des existences dans des archives. Il s'agit alors de démontrer que des vies réelles ont été écrasées, qu'elles ne cessent de l'être à tout moment, afin de susciter dans les lecteurs ces sentiments de l'intolérable qui peut les pousser à l'action, à la lutte, à la résistance. Quand, en 1971, on demandait à Foucault ses opinions personnelles sur les problèmes que crée l'existence des prisons, il répondait ne pas savoir, ne vouloir que recueillir des documents, les diffuser et éventuellement les provoquer. Et il concluait simplement « je perçois l'intolérable ». Aux yeux de Foucault, l'historien-philosophe n'a donc sans doute pas pour tâche, comme chez Benjamin, de sauver les passés ou de lui faire justice. Installé au cœur du présent, il utilise les passés, des morceaux choisis du passé, pour mettre en lumière les caractères intolérables d'un pouvoir qui, dans ses différentes formes, s'exerce depuis des siècles sur la trame minuscule des vies des individus les plus ordinaires. Produire une réaction chez son lecteur, non pas pour déclencher la révolution et réaliser une société sans classe, comme espérait le faire Benjamin, mais pour susciter des luttes ponctuelles et des résistances spécifiques. Voilà ce que visait Foucault. Et malgré les différences entre les perspectives de Benjamin et de Foucault, soit sur ces points indéniables, il conviendrait sans doute de ne pas les exagérer, comme je vais les montrer dans ce qui suit, et c'est presque fini. Donc, troisième courte partie que j'ai intitulée « Utopie, hétérotopie contre utopie ». Chez Benjamin, le messianisme est ce qui bloque les flux continus de la narration historiciste, ce qui fait rupture et brise l'illusion des grands récits. C'est donc le nom qu'il donne au pouvoir qu'a l'histoire, ou mieux, qu'ont les hommes et les femmes qui la font, de contester de l'intérieur ses propres déterminations et d'aménager une place pour le travail difficile de la liberté. C'est pourquoi l'utopie d'une société sans classe constitue aux yeux de Benjamin non pas l'accomplissement de l'histoire, mais son principe immanent des mouvements. L'utopie, chez Benjamin, est ce qui rompt et bloque, non pas ce qui se réalise ou s'accomplit une fois pour toutes, à la fin et hors du temps historique. Au lieu de jouer les rôles d'un télos, d'un pôle d'attraction situé dans un futur qui en réalité ne cesse de s'éloigner à mesure qu'on est supposé s'en rapprocher, l'utopie est conçue par Benjamin comme le moteur immanent de l'histoire, et c'est bien au cœur du présent qu'elle surgit en prenant la forme d'un principe de lutte, toujours à recommencer, contre la domination. Chez Foucault aussi, on trouve l'idée d'un jeu immanent et toujours à recommencer, avec les déterminations historiques qui nous constituent à chaque moment donné. On n'est jamais totalement et absolument libre, il n'y a pas de dehors de l'histoire. Tout ce qui se donne, objet et sujet, sont constitués dans et par l'histoire. Pourtant, comme je l'ai déjà dit, on n'est pas non plus entièrement déterminé par l'histoire. Le présent n'est pas pour Foucault un moment qui, selon une conception horizontale et continue du temps historique, serait situé entre les passés et les futurs. Le présent est le lieu d'institution d'un rapport vertical au passé, permettant de l'utiliser stratégiquement dans des pratiques des libertés à mettre à l'œuvre aujourd'hui. Benjamin défend une conception analogue du moment présent, non pas transition ou passage, mais blocage et lieu d'émergence de cette force messianique qui, grâce au choc provoqué par la rencontre avec les monades du passé, peut produire les conditions propices pour une action révolutionnaire. Pour Benjamin, tout comme pour Foucault, par conséquent, les moments présents sont les moments utopiques. L'utopie, c'est ici et maintenant qu'elle peut et doit surgir, et le travail de l'historien philosophe est un travail proprement utopique. On pourrait cependant se demander si, pour éviter tout malentendu et toute ambiguïté, il ne conviendrait pas d'utiliser un autre terme au lieu de celui d'utopie. Dans sa célèbre conférence de 1967, « Des espaces autres »,
Foucault définit les utopies comme des emplacements sans lieu réel qui entretiennent avec l'espace réel de la société un rapport général d'analogie directe ou inversée. Lieu hors de tout lieu, les utopies sont aussi traditionnellement conçues comme étant hors du temps historique. Et pourtant, Foucault soutient qu'il existe dans toute société et à tout moment donné des lieux réels, des lieux effectifs, qui sont des sortes de contre-emplacements, des lieux hors de tout lieu, mais parfaitement localisables, des lieux autres, donc, mais inscrits dans l'immanence de la société et au cœur même de l'histoire. C'est ce que Foucault appelle des hétérotopies, qui ont ceci de particulier qu'elles opèrent une contestation à la fois mythique et réelle de l'espace où nous vivons. Or, si l'on accepte d'appliquer ce que Foucault dit à propos de l'espace aux considérations que je développe ici sur l'histoire, on est forcé de constater que les blocages messianiques dont parle Benjamin, c'est-à-dire les présents en tant que modèle du thème du temps messianique, et donc lieu et moment utopique par excellence, semblent bien s'apparenter à une hétérotopie. Sa force de contestation des déterminations historiques, en effet, ne vient pas d'ailleurs, du dehors de l'histoire, mais émerge dans son immanence. On est donc tenté de conclure que Benjamin et Foucault ont l'un et l'autre une conception hétérotopique de l'histoire et du moment présent, ou peut-être, m'inspirant de la définition foucauldienne des contre-conduites, qu'ils ont une vision contre-utopique de l'histoire et du moment présent. Tout comme la notion des contre-conduites garde le sens actif du mot « conduite » afin d'indiquer non pas les grandes bouteilles externes du pastorat catholique et chrétien, mais plutôt les formes d'attaque et des contre-attaques qui ont pu se produire dans les champs même du pastorat et qui avaient pour objectif une autre conduite, la notion des contre-utopies garde la référence active au mot « utopie » tout en signalant qu'il s'agit d'en altérer la signification, pour ainsi dire, de l'intérieur. En un sens, en ces sens, une conception contre-utopique n'est pas une conception anti-utopique. Elle conteste la notion traditionnelle d'utopie, certes, elle opère par rapport à celle-ci un passage à la limite, mais elle ne s'en débarrasse pas totalement, car elle n'existe que dans les mouvements toujours réitérés des distanciations à l'égard de la logique proprement utopique. L'attitude hétérotopique ou contre-utopique qui caractérise l'historien, philosophe et militant chez Benjamin tout comme chez Foucault, met donc en œuvre une contestation, crée un espace de liberté au sein même de l'histoire, grâce au rapport vertical, immanent et stratégique que le moment présent établit avec le passé. Et j'ai conclu. Dans cette intervention, j'espère avoir montré, nonobstant les travaux à la maison et mes déplacements dans l'espace de ma maison, qu'un dialogue qui n'a pourtant jamais eu lieu entre Benjamin et Foucault peut être construit à partir de leur conception du moment présent et donc de l'histoire comme discontinuité, de leur attention pour les opprimés et les infâmes et de leur vision hétérotopique ou contre-utopique de l'histoire qui définit l'éthos, l'attitude messianique ou critico-expérimentale de l'historien philosophe dont il parle. Ces rapprochements ne visent bien entendu pas à nier les différences qui existent entre leur conception, par exemple, de la révolution ou de la tâche de l'intellectuel. Ils visent cependant à signaler la possibilité réelle de les faire travailler ensemble aujourd'hui pour écrire l'histoire des opprimés et des infâmes, car l'un et l'autre ont choisi d'écrire l'histoire des façons telles à produire des effets concrets dans les présents et de nous équiper d'armes en vue de la lutte contre l'oppression. Merci beaucoup. Merci Daniel. Merci. Merci beaucoup. Je vais donc maintenant, je vais faire la présentation de Fiona. Fiona va fermer cette séquence-là d'aujourd'hui. Fiona McIntosh Faria-Bedian, elle est... Fiona McIntosh Faria-Bedian est professora de literatura geral e comparada na Universidade de Lille, na França. Ela é especialista nas relações entre literatura e história
tema sobre o qual ela publicou vários artigos, obras coletivas e uma monografia sobre a escrita da história. A esse respeito, ela também se interessa pelo pensamento de Walter Scott. Atualmente, ela participa da organização de uma obra coletiva sobre o acaso na literatura ocidental. E as suas últimas publicações são a edição de número 337 de 2020 da Revue des Sciences Humaines, né, Revista de Ciências Humanas, sobre história da literatura europeia. E junto a Carl Tiger, ela escreveu Cathédrale gothique et construction fin de siècle, de Regard sur le 19e siècle. Catedrais góticas e construções do final do século, olhares sobre o século XIX, que foi publicado pela Presse du Septentrion no ano de 2020. Fiona, je vais juste faire le partage de l'écran et après je vous rends la parole. Merci beaucoup. D'accord. L'écran est partagé. Merci, Fiona. Vous pouvez commencer. Merci, merci pour cette invitation et pour pouvoir participer à ce colloque, même si c'est malheureusement à distance. Et donc, je vais vous faire une communication qui s'intitule « Faire face au malheur, l'influence du néo-stoïcisme d'Adam Smith et Walter Scott ». Alors, la communication qui va être présentée résulte de ce qui a été expliqué tout à l'heure, à savoir que ça résulte en partie des travaux sur la représentation du hasard qui a été menée dans le cadre du projet Aléa et qui est soutenu par l'Agence française de la nationale de la recherche. Alors, en fait, nous nous intéressons, comment est-ce que justement il y a un croisement entre la réflexion sur la précarité ou le malheur et le hasard? C'est que nous nous intéressons ici à une catégorie particulière du hasard, à savoir les vicissitudes que la tradition associe avec la fortune. On doit comprendre d'ailleurs ce terme, pour reprendre le dictionnaire du Centre national de ressources textuelles et lexicales, comme une succession d'événements heureux ou malheureux, et on montrera que c'est plutôt le malheur qui intéresse plus que le bonheur, qui alternent au cours d'une vie, et plus particulièrement des événements malheureux, des épreuves qui mettent un terme au bonheur et qui témoignent donc de l'instabilité de la condition humaine et de la contingence. Le même terme existe avec les mêmes acceptions en anglais, et donc d'où le rapprochement que je peux faire. Alors, le rapport aux aléas dans les intrigues romanesques de Walter Scott reste plus marqué par l'héritage antique et sa réinterprétation dans la philosophie écossaise de la deuxième moitié du XVIIIe siècle que par les évolutions mathématiques de la même période, bien que je l'ai montré par le passé, dans la vraisemblance scotienne, le probable et le possible jouent effectivement un rôle clé. En revanche, la représentation de l'histoire sous la plume de Walter Scott n'est absolument pas influencée par un type de discours qui prendra de l'importance au cours du XIXe siècle, à savoir qu'il est possible, qu'il serait possible de réduire la part du hasard dans l'action par un calcul de type probabiliste ou statistique, et qu'au sein de l'histoire, les comportements apparemment individuels seraient en fait strictement déterminés par des schémas collectifs. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas des types sociaux qui apparaissent dans les Waverly Novels, on sait que ça a intéressé George Lucas, mais que ces types ne permettent pas d'expliquer l'action des personnages et que dans les décisions individuelles, il existe une part irréductible de choix décisifs, même si ces choix, nous le montrerons, tiennent parfois à peu de choses. Scott et Smith, avant lui, rejoignent en somme la définition que Plutarque donne d'une bonne vie dans la conscience tranquille. Je cite, Platon a comparé notre vie à un jeu de dés, où il faut bien sûr faire de bons coups, mais aussi savoir tirer parti de ce qui nous échoue. Et quand ce qui nous échoue, ce qui intéresse Plutarque comme les penseurs par la suite, c'est surtout du malheur. Parce que c'est dans le malheur que se révèlent les capacités, ou non, que les individus peuvent avoir de se saisir de ce qui advient.
c'est facile de se saisir quand c'est de ce qui vous advient, quand c'est le bon, c'est un bon coup de la fortune, quand il vous arrive des catastrophes, c'est autrement plus compliqué. Aussi bien que dans ses romans, aussi bien que ces romans se passent dans un cadre événementiel collectif, celui de l'histoire avec un grand H, Scott s'intéresse à des destinées individuelles et à la manière dont la vie des individus est dessinée par des événements extérieurs contingents et comment les personnages y répondent par leurs choix éthiques. Pour comprendre le cadre de pensée de Walter Scott, il convient de remonter en arrière à la deuxième moitié du XVIIIe siècle et au texte d'Adam Smith, Theory of Moral Sentiments, texte qui a été remis au goût du jour, et ce n'est certainement pas un hasard, pardon, par le contexte révolutionnaire, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne et que ce soit également en Grande-Bretagne. Il est inutile de développer ici ce que la pensée morale libérale du XVIIIe siècle doit à Smith et à la philosophie écossaise de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, tant la filiation est évidente. Nous montrerons seulement ici comment Smith a élaboré un cadre éthique qu'on peut rapidement qualifier de néo-stoïcien, qui est fondé sur la force morale, et nous montrerons dans un deuxième temps comment le romancier l'a mis en application à travers ses intrigues. Si Smith a été relu à la fin du 19e siècle, à la lumière des théories du jeu, ce qui le rend véritablement exemplaire pour comprendre le rapport moral au hasard, c'est la manière dont les références à la fortune ou à l'infortune saturent les premières pages de la théorie des sentiments moraux. En effet, on a les termes de fortune, misfortune, l'infortune, et on voit, constate aussi l'utilisation récurrente du terme befall, qui renvoie à ce qui vous advient, littéralement ce qui vous tombe dessus. Smith dessine ainsi les vicissitudes de l'existence que les sujets subissent. Il s'agit du lot commun de l'humanité, et c'est en raison de cette expérience commune à l'humaine condition que des phénomènes de sympathie peuvent se mettre en place entre celui qui subit et celui qui assiste plus ou moins directement à l'épreuve subie. Même si par l'évocation des circonstances et des nombreuses éventualités envisagées, la pensée de Smith relève d'une forme de casuistique, son intérêt se concentre moins sur la diversité des malheurs qui peuvent survenir que sur les réactions que ces malheurs provoquent. L'Écossais partage les comportements en deux catégories. Les comportements qui suscitent la sympathie et qui découlent des aléas et ceux qui ne créent pas cette sorte de communion. Ce poids des contingences sur l'existence humaine qui est constamment ballotté au gré du sort sur les rapports sociaux est limité en quelque sorte par la réaction du spectateur qui doit répondre à un idéal de convenance morale et d'adéquation à l'émotion de la situation. Ça se voit dans le chapitre « Sense of Propriety ». C'est dans l'adéquation du sentiment de sympathie à une situation donnée, au-delà du hasard donc, de ce qui peut arriver à un individu, que réside l'effort de théorisation de Smith et sa volonté de dégager des constantes enfin afin d'esquisser des règles. On peut de ce fait y lire le désir de contrôler les effets du hasard dans ses effets les plus néfastes, à défaut de pouvoir directement intervenir sur les événements eux-mêmes. Alors, c'est à cette occasion-là que les éditeurs modernes, notamment McPhee et Raphaël, mettent en l'accent sur l'influence du stoïcisme sur la pensée de Smith. Et c'est un aspect qui, selon eux, est surtout présent dans les premières éditions, même si elle n'est pas tout à fait effacée par la suite. En tout cas, force est de constater que la maîtrise de soi, appelée self-command, est convoquée par Smith et elle ne va pas sans une capacité de sympathie. Et c'est cette self-command qui a, selon moi, une résonance néo-stoïcienne.
Certes, Smith s'intéresse à des formes de sociabilité qui semblent rompre avec l'idéal d'autosuffisance que Martha Nussbaum associe avec la pensée antique et qu'elle définit comme la volonté de se détacher de tout ce qui est mutable et contingent pour échapper au coup du sort, mais la sympathie elle-même ne signifie nullement l'émotion à l'abandon. Smith cherche à examiner un certain nombre de situations variées afin de préciser quelle est la juste part de la retenue et de l'expression légitime de l'affect. Ainsi, l'excès de générosité est une source de danger, même si ce manque de mesure n'est pas répréhensible en soi. En revanche, la joie excessive et égoïste de celui qui aurait gagné à la loterie doit être plus strictement contrôlée si le regagnant ne veut pas susciter l'aversion ou blesser ses propres amis. Selon l'idéal de Smith, le sentiment de devoir, sense of duty, conduit l'homme doté d'un esprit ferme à ajuster constamment son comportement à ses réactions et la manière dont ses fréquentations et la société peuvent elles-mêmes envisager sa situation. Il y a un double effet de miroir puisque la réaction sociale résulte aussi, on l'a vu, de la façon dont chaque individu est susceptible de sympathiser avec celui qui subit les aléas. Selon une conception somme toute traditionnelle, la fortune qui est évoquée dans le texte de Smith, notamment par les risques de la guerre, hazards of war, par l'agitation du monde, bustle and business of the world, ou les effets de l'esprit de faction, et en tant qu'Écossais, c'était quelque chose qu'il connaissait très bien, ça donne l'occasion à l'homme idéal smithien d'éprouver sa vertu et de tirer une satisfaction de sa capacité à se conformer aux attentes sociales. C'est cet aspect qui a été traduit par Merden et Hotman en des termes inspirés par la théorie du jeu, car il s'agit bien d'évaluer les bénéfices sur le long et le court terme à être vertueux et à faire preuve de maîtrise et de modération. Chacun devient son propre juge à la lumière de ce que chacun imagine être la norme publique. Il y a donc à la fois un contrôle social et un contrôle individuel qui, l'un comme l'autre, modèrent les effets de l'imprévu. Par l'effet de miroir et la recherche de l'approbation personnelle et collective, égoïsme et altruisme peuvent se rejoindre dans une certaine mesure. Il ne faut pas oublier que la pensée écossaise est innervée par le paradoxe de Mandeville, selon lequel intérêts privés et collectifs peuvent in fine être satisfaits, même si la figure vertueuse de l'homme qui maîtrise ses émotions et ses réactions est assurément moins controversée que les fripons dépeints par Mandeville lui-même. L'ordre peut être trouvé dans le désordre, et c'est ce qui émerge du concept d'unintended consequences qu'on trouve aussi bien chez Smith que chez Adam Ferguson, que chez David Hume, John Millar ou William Robertson. La somme des hasards, si on comprend ce terme, on l'a vu comme une combinaison d'événements non intentionnels ou qui n'auraient pas été décidés de façon rationnelle, peut se résoudre en une sorte de dessin, pattern, qui répond à un ordre qui, lui, est parfaitement descriptible rationnellement. La morale rejoint ici à la fois l'histoire et une forme embryonnaire de la sociologie, dans la mesure où les trois domaines visent à décrire des comportements collectifs soumis au désordre apparent des choix ou des comportements individuels. Mais les comportements individuels ne sont pas entièrement aberrants, en ce sens qu'ils sont eux-mêmes régulés par une forme de pression collective, le regard, à savoir le regard d'autrui, qui n'accorde sa sympathie aux individus éprouvés par le malheur qui ont cherché à y répondre de façon adéquate. Dans cette configuration, on peut parler d'une éthique de la contingence et c'est de cette éthique que Walter Scott s'est inspiré dans ses romans. Alors, il ne faut pas oublier que Walter Scott a été formé à la pensée écossaise à l'université d'Édimbourg dans sa jeunesse. Et donc, qu'il s'inspire de la morale smithienne ne doit pas du tout nous étonner. Ce qu'il a retenu, c'est la manière dont les personnages principaux subissent des vicissitudes, les vicissitudes d'une existence qui est en but aux aléas de la grande histoire. L'histoire avec un grand H éprouve le plus souvent des jeunes gens qui, confrontés à d'autres individus soumis au malheur,
apprennent par le spectacle comparé que ces derniers offrent à correspondre à l'idéal de l'homme modéré, ferme et sensible à la fois. Ainsi, dans le roman de Old Mortality, vous avez un personnage qui est un peu un personnage idéal, qui s'appelle The Major Belladon, qui est un personnage à la fois courageux et sensible, qui est remarquable pour son humanité au moment même où il perd la place forte familiale. Et ce personnage est opposé à un autre, qui est un personnage historique, John Graham de Claverhouse, qui sait faire preuve lui aussi de fortitude morale, mais dont la férocité à persécuter les Covenanters est légendaire, et de ce fait est un personnage qui est disqualifié par Walter Scott. La guerre, celle de 1745, je vais vous parler des factions en Écosse, celle des années 1600 tout à l'heure, celle des années 70 à 1680, pour n'en prendre que quelques exemples, la folie qui a atteint certains, on pense Lucy Ravenswood dans The Bride of Lammermoor, ou à Mr. Somerville à la banque, dans les chroniques du Canongate, la banqueroute de Crystal Croft-Hungry, qui est un autre personnage, lui aussi des Chronicles de Canongate. On a aussi l'emprisonnement de Henry Morton ou de Fentimes, d'autres personnages, d'autres séries romanesques. On a également les exactions des différentes factions. Tout ceci semble être tout droit sorti du catalogue des infortunes envisagé par Adam Smith et auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Ainsi, vous avez un personnage qui s'appelle Ruby dans The Black Dwarf, qui est un personnage positif et qui fait partie de ces personnages qui subissent des malheurs inattendus et qui sont invités à faire preuve de patience et de mesure. Manfully strode Hobby down the hill, resolved to suppress his own despair and administer consolation which he did not feel. Alors, le caractère social que revêt cette exigence morale est évident puisque justement il doit feindre d'éprouver une constance que en fait il n'éprouve pas réellement. Et l'auteur propose alors plusieurs solutions qui indiquent autant de directions possibles à l'intrigue. Vous avez la mère qui voit dans la destruction et l'enlèvement de la fiancée de Hobby une épreuve divine que le jeune Hobby doit accepter sans se venger, jusqu'à ce que Dieu accepte de le soulager. Vous avez de l'autre côté les hommes qui crient à la vengeance et qui font courir à la région le risque de nouvelles guerres de représailles avec l'Angleterre. Et vous avez Hobby lui-même qui cherche une voie moyenne entre la passivité féminine et la violence masculine dans une patience indiquée par le terme de consolation qui est toute virile puisque c'est indiqué, comme l'indique le terme manfully dans le texte anglais. Alors, la différence entre les trois propositions est essentiellement d'ordre moral car elle semble également probable. Grâce à la forme romanesque, l'histoire est traitée selon plusieurs modes distincts, contradictoires même, qui impliquent des rapports différents aux aléas et aux malheurs qui peuvent survenir. Le désespoir ou l'impatience de ceux qui cèdent trop facilement à un mauvais coup du sort est clairement condamné. Vous avez ainsi un personnage qui s'appelle Darcy Latimer dans The Red Gauntlet, qui se retrouve kidnappé par son oncle et déguisé en fille. C'est un personnage qui, dans un premier temps, se décourage et désespère, et c'est clairement associé avec un synonyme de faiblesse, ce qui n'est pas étonnant pour un personnage qui est déguisé en fille. Vous avez un autre personnage qui s'appelle Tavish Bean McTavish, dans le Highland Widow, qui a tué un de ses compagnons d'armes afin d'échapper au déshonneur d'une sanction publique. Il est lui aussi condamné, bon, certes parce qu'il a tué quelqu'un, mais aussi parce qu'il a fait preuve de précipitation et qu'il avait un sens de l'honneur inculqué par sa mère qui était en quelque sorte mal placée. Et la mère de ce dernier, qui est elle-même responsable des actions de son fils,
fait preuve d'une fait montre d'un désespoir empreint de rage, ce qui, dans l'intrigue, lui ôte toute sympathie possible du pasteur, du voisinage, de la narratrice, et donc du lecteur lui-même, puisque le registre qui est employé ici est plutôt celui de la terreur que de la compassion. À l'inverse de ces comportements déviants, en quelque sorte, aberrants, vous avez la patience stoïque de Baron de Bradwardine, qui est de celui qui, après la défaite des Jacobites, la destruction totale de son domaine par les Hanovriens, sait faire preuve de courage et de patience, et sait, a pu recueillir à la fois le respect du héros, du lecteur, ainsi que l'aide des villageois qui le protègent et qui le cachent. Donc Scott semble explorer plusieurs pistes et se livre à une réflexion philosophique sur l'origine de ce qui arrive ou sur la justice poétique qui vient dans le récit résoudre ou non le défi moral posé par les événements contingents. C'est une forme de défaillance morale aggrave les malheurs qui échouent au personnage, la constance et la vertu ne sont pas nécessairement récompensées par l'intrigue. Le cas est rare, mais on peut songer dans un des romans d'Ivanhoe, un roman qui est fort connu, à ce qui se passe pour la jeune juive Rebecca, qui n'est pas récompensée et qui doit s'exiler sans recevoir le mariage réconciliateur attendu. Et Scott en fait en quelque sorte un modèle exemplaire de ce que doit être justement la constance, puisque le sacrifice de la jeune femme lui confère à ses actes une gratuité qui, selon Scott, la grandit et en fait un modèle véritable, à la différence de beaucoup de jeunes héros masculins qui, eux, sont récompensés assez rapidement. Si la peinture morale met en avant des individus et leurs réactions, elle ne manque pas d'avoir des ramifications politiques et sociales. En effet, ce qui, face aux événements, nie la part de liberté individuelle pour mettre en avant, au contraire, le poids d'une fatalité funeste, sont associés à l'instar du jacobite Rencotlet avec une pensée politique archaïque et la défaillance d'un tel mode de pensée et annonce l'échec du camp qu'il représente. Ainsi dit-il, the privilege of free action belongs to no mortal. Il fait partie de ces personnages jacobites empreints de fatalisme, et ce fatalisme est associé dans le texte de Walter Scott à un système politique, à savoir celui de la monarchie absolue de droit divin. En revanche, dans le propos de Rencotlet, le libre arbitre est associé à la fois au revers de la fortune, à l'indétermination des conditions, et de ce point de vue-là, est associé avec les conséquences de la glorieuse révolution. Vous avez Rencotlet qui interprète la mort tragique de Guillaume de Nassau comme une sorte d'ironie tragique, comme une sorte de coup de destin où l'usurpateur serait mort in fine, victime du destin, metteur en scène suprême du théâtre du monde. Donc, on a ici des préoccupations à la fois d'ordre historique et esthétique dans les romans de Walter Scott, et cela explique la variété des positions exposées par Scott. Cette diversité, notons-le, ne met pas en cause l'éthique défendue par Scott lui-même et sa recherche d'une voie moyenne face à l'imprévisible et à l'infortune. Mais cela témoigne de l'importance des références historiques, politiques et culturelles dans la représentation du hasard, et cela fait du monde d'ici-bas un théâtre dans lequel toutes les positions établies sont fondamentalement instables, susceptibles d'être renversées et, d'une certaine façon, susceptibles de connaître le malheur. Vous avez un roman médiéval
Anne de Gerstein, ce n'est pas un des plus connus, qui met en scène la fameuse reine Marguerite de la première trilogie de Shakespeare, ou roman dans lequel vous avez, et pièces aussi, dans lesquelles les renversements tragiques de la fortune sont extrêmement nombreux. Et vous avez ces renversements de la fortune se marquent dans l'intrigue par l'exil de la reine pour finir avec la mort de Charles de Téméraire, dont le corps, dépouillé et meurtri, est retrouvé dans un marais à moitié gelé. Le sujet et les résonances culturelles évidentes justifient cette représentation traditionnelle de l'abaissement des grands. Scott rejoint ainsi Shakespeare presque au sens propre. On est dans une ambiance de tragédie. À l'inverse, dans un autre roman, le premier de Walter Scott, vous avez l'arrière-plan politique de l'avènement de la dynastie de Hanovre et les tentatives de Jacobites pour rétablir les Stuarts. Ce roman-là s'accompagne d'un autre type de schéma narratif qui lui met l'accent sur des faits imperceptibles et fortuits qui peuvent influencer des décisions pourtant extrêmement importantes. Cette fois-ci, le ton de Walter Scott est celui de la satire et de l'ironie. La décision de Sir Everard, qui est assimilée à un décret divin, est en fin de compte que le fruit du fortuit. En effet, il suffit qu'un rayon de soleil arrive de façon fortuite sur un écusson pour que tout d'un coup, le personnage prend une décision qui va l'engager lui-même et ainsi que sa famille. Cette manière de mêler le fortuit le plus extrême à des décisions permet de discréditer les convictions politiques de ce personnage, de ce soutien à l'ancien mode, puisque, en fin de compte, on met l'accent sur un autre enchaînement possible des événements par un jeu d'hypothèses, et donc Scott met l'accent sur leur caractère parfaitement indifférent. Cela aurait pu être l'un ou l'autre, et de ce point de vue-là, le narrateur souligne la fragilité des décisions et se moque du personnage. La prétendue volonté divine devient l'indice d'une contingence absolue. Et en associant Waverley et ses proches à l'hésitation, Scott réduit leur capacité à prendre des décisions rationnelles. Le jeune Waverley en particulier doit faire l'expérience, et on peut dire que c'est l'intrigue même, c'est ça, c'est faire l'expérience d'un autre ralliement possible, en l'occurrence aux Stuarts, avant que de comprendre, in fine, devant le spectacle de la guerre et les malheurs de la débandade, que cette voie constitue une impasse et donc le personnage est obligé de se rendre compte qu'il convient de se ranger aux côtés du pouvoir hanovrien et de l'avis de la modération du modéré Talbot. Ces représentations des aléas sous la forme d'une fortune proche de la fatalité ou proche du destin des anciens, soit sous la forme d'une contingence absolue, le plus souvent malheureuse, ces représentations répondent à des contraintes esthétiques et pas seulement éthiques. En effet, à l'instar de Waverley, le schéma comique du mariage est la suite naturelle d'un itinéraire romanesque et historique fait de petits riens, de combinaisons de circonstances fortuites, de rencontres et de hasards, qui fait plus ou moins bien les choses, à condition que chacun cherche à agir au mieux et sache se saisir de ce qui advient, et ça renvoie à ce que je vous ai dit au départ, sache se saisir même de ce qui advient dans le malheur. Mais ce schéma entre en conflit avec une autre veine plus tragique que dessine pour le lecteur l'échec connu justement d'avance du soulèvement de 1745 et l'exécution qui en résulte de la plupart des meneurs jacobites. C'est quelque chose qui est renforcé dans la narration, cet apport de l'histoire, par l'évocation de prophéties ou d'apparitions surnaturelles qui justement rappelle au lecteur que
malgré leurs efforts pour agir dans le monde, toute une catégorie de personnages va être conduite à sa perte. Ce mélange ne manque pas, d'ailleurs, de poser des problèmes, car la tonalité sérieuse, justement, de ces renvois à la tragédie de l'histoire, se prête mal au fortuit, comme le souligne la critique, d'ailleurs, d'une autre œuvre de Walter Scott, à savoir le poème épique Marmion, qu'il avait écrit bien plus tôt, en 1806. Mais en dehors de ces problèmes esthétiques et moraux auxquels Scott est confronté, quel est l'effet de la fortune ou du fortuit sur l'autre ingrédient du roman historique, à savoir l'histoire elle-même, sachant que ce sont dès le temps du malheur que la mémoire collective retient le plus, et c'est une idée que Scott expose souvent. Car évoquer l'une comme l'autre a pour particularité d'évacuer l'explication, soit par l'arbitraire d'un « il en était ainsi et pas autrement », soit par un acte de renoncement face à la complexité insondable. Or, il y a quelque chose là qui est quasiment scandaleux dans la manière dont Scott représente l'histoire, puisque, comme le souligne l'article « L'histoire de l'Encyclopédia Britannica » de 1798, c'est le modèle bien, polybien, c'est-à-dire explicatif, qui l'emporte au tournant du XIXe siècle sur ce que doit être justement l'histoire. D'une certaine façon, le roman, qui semble renoncer aux explications, justement se met en retrait de ce que doit être la fonction explicative de l'histoire, qui est tout aussi importante que le respect d'un ordre chronologique. Les faits qui doivent être rappelés, fixés et ordonnés doivent entrer dans une chaîne de causes et de conséquences. Mais à ceci près, c'est que cette chaîne de causes et de conséquences est précisé qu'il faut la donner, mais autant qu'il est possible de le faire. Et cela suggère en fin de compte que cette chaîne est incomplète. Le roman qui met au premier plan ceux qui subissent l'histoire en avant, ceux qui ont la prétention d'agir dans l'histoire, se joue de cette incomplétude même et des limites de ce qui peut être expliqué. Et il me semble que ceci a un sens profondément ontologique, car même si Scott évoque régulièrement l'existence d'une providence, celle-ci échappe pour une large part aux humains. Ceux-ci ont pour seul guide, pour faire face à la contingence, leur sens de la modération, c'est là qu'on voit bien l'influence de Smith, leur sens éthique, fondé sur la sympathie et la mesure, et enfin leur confiance en un sens providentiel, même si eux-mêmes ne le perçoivent pas pleinement. En ce sens, Scott n'est pas simplement l'héritier des philosophes écossais des Lumières, il est aussi l'héritier d'Alexander Pope et de son essai on man et de la manière dont le poète avait cherché à expliquer le mal et à le rendre compatible avec une vision du monde dominée par un grand ordinateur profondément bienveillant. La patience et la fermeté dans le malheur ne doivent pas être confondues avec l'indifférence, mais doivent être comprises avec une forme de confiance en cette bienveillance divine et comme un comportement profondément social. En effet, si chacun veut bénéficier de la sympathie d'autrui, il doit conserver une juste mesure qui lui vaudra l'approbation de tous, en même temps que ça le rendra capable d'agir au mieux, quelles que soient les circonstances. Je vous remercie. Agora sim. Muito obrigado, Fiona, pela sua exposição. Nós temos agora aqui um certo tempo para debates, né?
para perguntas que podem ser dirigidas aos apresentadores, né? Seja o Pedro, eu, o Daniel ou a Fiona. Então, vamos ver aqui. Je suis en train de lire les commentaires. Oui. Ah oui, Philippe Sabot, il est en train de faire des rapports entre la question de l'aléa dans les dispositifs de sécurité sur lesquels j'ai écrit un peu là dans mon exposé. Et la question de l'aléa chez votre présentation. Il dit oui, Pedro, Fiona évoque aussi l'incertitude qui caractérise notre condition, une question que Daniel a aussi abordée. Pardon, je vais traduire. Sim, Pedro, Fiona évoque também a incerteza que caractérise notre condition. Uma questão que Daniel também abordou e concerne da mesma forma aquilo que nós podemos fazer desta incertitude. Né? A saber, a incertitude é irredutível e é preciso se virar com ela, né? Geri-la. Ao máximo, né, ou no máximo, como fortuna ou infortuna. Aí, Felipe continua, né? Seja ela num esquema de previsão de riscos para estabelecer as condições de uma segurança no nível da gestão das vidas, não das vidas individuais, mas da vida da população. Eu estou muito interessado com a passagem da utopia à contra-utopia que aparece também lá no final da conferência do Daniele. É uma maneira de mobilizar a potência imaginária da utopia no real histórico. E isso permite converter o não lugar da utopia em um contratempo da história. Je vais juste allumer ici. Donc, là, oui, Philippe. Bom, eu vou falar rapidamente em português primeiro. Eu acho que há, sim, esse tema comum, né, entre a apresentação da Fiona e a minha. Contudo, há uma certa, a meu ver, ainda uma certa diferença no seguinte sentido, né, de que a insegurança, no caso, a questão da segurança e da insegurança que diz respeito a um certo acaso, né, a um certo risco, ela é uma gestão que tem o intuito de conduzir condutas para determinados fins, que são fins adaptativos, no caso dos dispositivos de segurança, né? Enquanto que... veja, a questão, eu acho que assim, esses fins adaptativos, né, que aparecem de um modo muito forte ali nos estudos do Foucault, quando eles são transferidos aqui para o contexto da América Latina, é quase como se esses dispositivos tivessem, na verdade, o objetivo de produzir insegurança, né? A produção da insegurança aqui, ela me parece muito mais ampliada do que no caso europeu clássico. O que não quer dizer que esses dispositivos funcionem da mesma maneira, né?
mas é uma certa lógica, um certo abandono aqui da população que é muito mais aceitável, né? É, então, enfim, de uma certa maneira, eu acho que tem essa diferença, né, nesse caso. Bom, je vais essayer de traduire là. Donc là, Philippe, c'est qui m'a fait penser un peu sur la différence entre les deux approches des dispositifs de sécurité. Bien sûr, il y a une question morale qui est axée sur la question de l'aléa. Il y a une question biopolitique qui fait face aussi à cet aléa. Mais il y a plutôt une mise sur relief de l'adaptation dans les discours, dans les dispositifs de sécurité, qui ne me semble pas être vraiment la même adaptation que celle des stoïciens anciens, dans la mesure, spécialement, où nous ne sommes pas placés devant les mêmes appareils productifs, donc ça veut dire que ce n'est pas la même société. Et ici, au Brésil et en Amérique latine en général, il me semble que nous sommes vraiment en face des mêmes types de dispositifs de sécurité, mais qui font aussi que cette insécurité soit bien plus élargie qu'au cas européen, là. Ça va amener aussi aux questions plus contemporaines dont je n'ai pas parlé, qui ont rapport avec le néolibéralisme et les types de choix politiques et biopolitiques qui sont devenus possibles à partir de là. Il semble là que le néolibéralisme a permis une certaine véridiction totalisante du marché qui fait que des critères du marché des choses, des marchés financiers aussi, soient plus importants que la vie des personnes. Et c'est ça qui peut justifier des choix comme celle de Trump et de Bolsonaro, mais aussi au début de la pandémie, celle des gouvernements de l'Angleterre, de l'Hollande et de la Suède. Bien sûr, la différence étant que l'Angleterre, l'Hollande et la Suède ont retourné et ont implémenté des différentes tactiques, tandis que Trump et Bolsonaro ont insisté sur l'exposition des personnes au virus, avec aussi une autre différence que le gouvernement Trump a investi au vaccin, tandis que le gouvernement Bolsonaro, bien qu'il a investi sur des vaccins, un vaccin, celle d'AstraZeneca, pour la production ici, mais pas le gouvernement Bolsonaro, c'est un institut de recherche, donc c'est pas un institut du gouvernement, c'est un institut d'État. Mais le gouvernement lui-même a discrédité des vaccins ici. Et ça je pense que c'est aussi un côté encore plus radical du marché, de la parole du marché en tant que parole qui va faire la conduction des conduites dans une pandémie. Et c'est à cause de ça que le discours scientifique aujourd'hui est un discours des contre-pouvoirs. C'est à cause de ça qu'il est un discours des contre-pouvoirs. Ici au Brésil, nous avons des scientifiques comme celui des instituts de recherche aérospatiale qui ont été exonérés de leur direction parce qu'ils ont montré qu'il y a une augmentation de la déforestation de l'Amazonie. Et c'est à cause de ça aussi, à mon avis, que ces discours scientifiques aujourd'hui, ils peuvent faire des liaisons avec les mouvements sociaux,
Par exemple, le mouvement des travailleurs sans terre ici au Brésil est un mouvement qui soutient, par exemple, des méthodes de production d'agriculture familiale avec des productions moins grandes et agroécologiques, ce que vous appelez bio, si je ne me trompe pas, en Europe. Et donc, là, je pense que ça a montré comment on doit aussi adapter ce que Foucault écrit sur les dispositifs de sécurité et comment on va faire face à l'aléa. D'un côté, nous avons les sacrifices compulsoires, soit de la vie, soit des travaux, soit de sa santé. De l'autre côté, nous avons ici des luttes politiques qui jouent dans la rationalité des dispositifs de sécurité, mais qui jouent dans un rôle de résistance par rapport à cette rationalité néolibérale sur laquelle je n'ai pas beaucoup parlé. Se me permite um pouquinho só. Antes que os nossos convidados falem, eu queria fazer só uma breve síntese do que eu consideraria como pontos de ligação entre nossas falas, tanto na fala do Daniel, Fiona. Eu vejo, fora as considerações precisas e conceituais que o Daniel acaba de fazer agora, eu vejo como se faz girar, como se faz movimentar a potência da vulnerabilidade, é um tema que eu estou obsessivamente trabalhando, não é? Ou seja, tanto do ponto de vista daquilo que Lorenzini traz, né? Na relação, por exemplo, mais que me chamou a atenção, mais sobre o Foucault e Ginsburg, né? Essa acentuação sobre a fala, né, dos oprimidos, sobre a fala dos vulneráveis, né, é aí que eu marco a potência, apesar de, né, de ser interessante, de ser, digamos, mais adequado na fala do Daniel Lorenzini, dizer desse modo de escrever a história, mas de um modo de escrever a história em que a fala, a voz do oprimido, possa ter, assim, a sua ressonância mais forte, né? É o que eu vejo também na fala da Fiona, muito bonita, embora eu não conheça o autor, não conheça muito bem o caminho filosófico da análise, mas eu vou acompanhando muito pela maneira com que ela vai tecendo a narrativa do Scott, né? Como nesse aleatório, né? Quer ele tende ao infortúnio ou à fortuna, há uma potência justamente a mostrar como se virar, né? Como se haver diante, no que eu estou compreendendo, né, do aleatório, que nos põe diante das incertezas, as incertezas do agora, né? Temos várias, né, várias administrações de segurança, como acabou de dizer o Daniel, mas que, em verdade, só acaba produzindo mais e mais insegurança. E mesmo naquilo que se tem a certeza científica de ser o seguro, há muita insegurança, né? Eu fiquei muito impressionado na fala da Fiona, porque isso me veio a mim, né? Como que isso nos traz a situação de incerteza que vivemos hoje. Estamos perto dos 600 mil, né? O número de mortes, né? E, ao mesmo tempo, estamos nos alardeando pela mídia, pelo comércio, né, adequadamente neoliberal, né, nos alardeando de estar vivos, né, nos alardeando de estar saindo da pandemia. Há os comerciais que dizem isso, e são os discursos que rolam, fazem a narrativa do que vivemos hoje, não é? E eu fiquei pensando, né, como ali naquelas determinações que você bem coloca, não é, Fiona, sobre como mostrar-se diante do que se passa agora, como mostrar, por exemplo, a nossa satisfação sem que isso perturba, sem que isso venha a ferir, né, aqueles que estão feridos porque perderam, né?
é um pouco nesse sentido que eu queria ligar as, né, as nossas falas. É claro que a minha fala é muito modesta, né, é muito mais uma performance da minha paixão por Clarice Lispector, mas também da minha paixão pelo tema, da minha paixão pelo tema da vulnerabilidade, a minha paixão pelo tema da, não da fraqueza, mas da potência que está na vulnerabilidade. É a maneira de estar vivo, né? E acho muito bonito como Clarice Lispector. Eu fiz ali, é claro, a minha fala ela tem muito mais contornos conceituais e analíticos do que eu pude falar, porque o tempo tinha que ser curto mesmo, não é? Mas eu quis justamente mostrar uma Clarice Lispector na narradora que ela constrói, trazendo um outro discurso, né? Um discurso que é o discurso da potência do vulnerável, é o discurso da maneira com que ela relata esta voz pequena, sufocada, da empregada que inesperadamente se interessa pelos livros de uma escritora como Clarice Lispector, né? O caso não é de lamentar por ser pobre, o caso não é de lamentar a precariedade, que é de cultura, mas o caso é de mostrar a potência que tem nisto, que se vê e que se, né, e que se interpreta como precário. Desculpa, eu falei muito, Daniel, você só resume o que você achar possível em francês. Né? Nossa, eu não prestei atenção dessa forma, você não consegue fazer essa... Bom, eu consigo traduzir o principal só, que é algo sobre o que eu quero até perguntar para você depois. Não quero que você... Il a dit que son exposé s'est axé beaucoup sur une question qui apparaît très bien pour lui chez Lispector dans ce petit texte-là. Qui est un peu cette figure que la précarité n'est pas seulement quelque chose de faible, ce n'est pas un point de faiblesse seulement. La présentation de la domestique, elle est quelque chose qui joue entre précarité et puissance. Et c'est ce jeu-là entre précarité et puissance qui a provoqué Pedro à écrire son texte. Et ça aussi, et também, Pedro, uma coisa que talvez era até algo de se levar à frente nas pesquisas, porque seguir em Butler, se essa figura da precariedade também apresenta essa potência possível. Foi uma questão que me apareceu muito tempo atrás por alunos de dança aqui. Essa relação, se a precariedade é apenas vulnerabilidade, nada mais, ou se há uma potência da precariedade, ou se essa potência tem que ser encontrada em outra forma. J'ai juste augmenté un peu les observations de Pedro, parce que quelques années avant, des élèves de danse ici, à Curitiba, m'ont posé une question si la précarité de Butler, si elle est seulement quelque chose de vulnérable, si elle a des rapports seulement avec des vulnérabilités, avec des faiblesses, ou si elle a une puissance en elle-même, ou si cette puissance, on doit chercher ailleurs. Et c'est une question que je ne peux pas répondre très facilement, parce que, bon, je ne suis pas spécialiste de Butler, mais ça me semble une question très intéressante qui touche beaucoup la présentation de Pedro. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Juste rapidement, juste pour dire merci pour ces commentaires. Il m'est semblé aussi qu'un thème qui a traversé plusieurs de nos interventions, c'est même si implicitement, c'est les liens entre la vulnérabilité et la critique, et c'est ce que Daniel disait aussi dans ses commentaires lorsqu'il parlait des scientifiques qui au Brésil deviennent des contre-voix d'une certaine manière, et c'est un petit peu ce que Foucault écrit
lorsqu'il parle de la parésia à la fin de sa vie, et il rend très clair que les points de la parésia, ce n'est pas tout simplement voilà, le, les contenus de ce qu'on dit. Un scientifique qui dit quelque chose, qui exprime une certaine vérité dans un contexte où sa position n'est pas rendue vulnérable par les pouvoirs en place, n'est pas un parésias, n'est pas quelqu'un qui exerce de la critique. Il devient quelqu'un qui exerce de la critique parce que il est mis dans une position de vulnérabilité par les pouvoirs en place. Et donc il y a ces jeux, je pense, très intéressants entre justement la vulnérabilité qui est, selon moi, toujours une position stratégique dans des rapports des pouvoirs. Ce n'est pas quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose qui est toujours produit. Et la possibilité qu'on a effectivement de voir de la force critique dans la vulnérabilité, parce que c'est dans la vulnérabilité qu'on a justement la possibilité de poser une critique par rapport au pouvoir. Lorsque les discours des vérités viennent d'une position safe, d'une position qui n'est pas en danger, bon, ce n'est pas qu'ils ne sont pas vrais, mais voilà, c'est... Ce n'est pas de la critique. Donc, voilà, c'est, je pense, un autre thème qui a un peu traversé toutes nos interventions. Et donc, j'ai tenu à le mettre en lumière. Só duas palavras, Daniel. Eu junto para responder a você. Deixa eu só traduzir o que o Lorenzini falou, que aí, senão, eu me perco. O Lorenzini chama atenção para que, realmente, a minha apresentação mostra como que não há uma fixidez, né, na posição das relações de poder, nem nos jogos de verdade. Por quê? Porque aquilo que um cientista diz, na medida em que aquilo contradiz uma certa ordem do discurso, que pode se dar no plano local, mas no plano mundial também, aquilo que é dito coloca essa pessoa em risco, né? Ou seja, não é necessariamente o discurso científico, não é sempre um discurso que vá potencializar relações de poder, né? Ele, sim, muitas vezes atua enquanto dispositivo de contrapoder, né? Ele atua como uma posição, é muito melhor do que um dispositivo, né? A palavra, uma posição de contrapoder. E que isso remete também aos últimos estudos do Foucault sobre a parresia, em que a verdade ela não é analisada a partir do enunciado, mas sim da enunciação, né? O que coloca para dentro da verdade as relações sociais, né? Ou seja, a verdade não é puramente epistemológica, ela está situada num plano de relações sociais, e aquilo que define a parresia é um dos elementos que define a parresia, né, é o risco, né? Então, aquele que diz a verdade se expõe a um determinado risco, né? Então, isso recoloca esse elemento circunstancial e tático da relação entre verdade e poder. É só para ligar o que você acabou de falar e responder a você, Daniel, que me perguntou antes, remetendo a Butler, né? Que eu junto justamente a sua consideração muito oportuna sobre a Butler e a vulnerabilidade a essa consideração que o Daniel Lorenzini traz agora sobre o estatuto da parresia na enunciação, né? Aviso, não está no meu texto, porque eu quis que ele fosse curto, né? Mas é um dos meus pontos de apoio. Quando eu falo ali de enunciação, é nesse sentido. É enunciação que não remete não tanto ao conteúdo do que é dito, mas que remete justamente, para falar em termos, né, de Judith Butler, à performance enunciativa que ali traz a sua força pelo fato mesmo de se colocar no vulnérable, né? Pedro, juste complémenter ce qu'il a dit, c'est que, bon, il ne s'intéresse pas
dans au sens de l'énoncé de ce qui est dit, mais à la situation du rapport entre la femme de ménage et le patron. Cette approche-là, il est beaucoup dû à la pensée de Butler sur les performatifs. E a você, Daniel, eu queria só falar rapidamente, né, que eu fui acompanhando a sua fala, esplêndida, né, e queria marcar justamente isso que acabou o Daniel agora, ele acabou de dizer sobre essa função crítica na enunciação, aí quando você vai considerando, né, a nossa história atual, do nosso presente, como eu te vi ali atuando criticamente de uma maneira parresiasta. Espero só não ser perseguido por isso. É o risco, é o risco. Não sei se a Fiona quer falar alguma coisa, pergunte a ela se ela quer dizer alguma coisa. Fiona, est-ce que vous voulez complementer quelque chose, redire quelque chose? Disons que moi je voulais réagir à ce que vous aviez dit, parce que j'avais mis dans le chat que... parce que vous aviez fait une opposition entre, on va dire, comment ça s'était passé le Covid du côté de l'Amérique, nord et sud, et du côté européen. Il est certain que l'État providentiel tel qu'il a été conçu après la Seconde Guerre mondiale, c'est véritablement une institution qui, à des degrés divers selon les pays, a été conçue pour que justement amortir le plus possible les aléas. C'est-à-dire que c'était un espèce de système d'assurance, cette fois-ci non pas privé, mais public, pour que justement la maladie, par exemple la mort d'un conjoint qui ferait qu'une famille n'aurait plus de ressources, le chômage, etc., serait amorti. Et il est certain que cette différence-là entre l'Amérique et l'Europe fait aussi que les politiques qui ont été envisagées pendant la Covid ne pouvaient qu'être différentes, même dans des pays où, parce que même en France, on ne l'a pas dit, mais le fait d'avoir une immunité de groupe a été envisagé aussi, mais pas aussi crûment qu'aux Pays-Bas, qu'en Angleterre. Mais c'était la même, au fond, la même stratégie, mais avec une espèce d'amortissement qui se voyait même dans la manière des coupes. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que ça dure peut-être un petit peu plus longtemps, mais que ça ne monte pas trop. Que donc, il y a effectivement, concrètement, cette espèce d'amortissement qui n'allait pas faire que le système, on va dire, providentiel explose complètement. Mais moi, par rapport à tout ce qui est grand, par rapport au capital, moi, je pense que au sein même du capital, il peut y avoir aussi des contre-pouvoirs. Et on le voit pour ce qui est dans un autre problème, enfin, un autre aléa, une autre question d'insécurité qui nous touche directement, qui est l'insécurité climatique. C'est qu'actuellement, les intérêts, on va dire, des grands pétroliers et les intérêts des assurances sont en train de s'opposer. Et donc, vous avez un grand capital qui peut être hostile, justement, au déni climatique parce que, justement, à cause de ce déni climatique, leur propre argent est en jeu et en fin de compte, le système explose. Donc, je pense qu'il y a peut-être d'autres systèmes de contre-pouvoir qu'il conviendrait de mettre à plat, parce que parfois on peut arriver à des alliances qui peuvent paraître peut-être assez étonnantes, mais qui s'expliquent du fait que les intérêts ne sont pas si ordonnés que cela, et de ce côté-là, bah, je serais peut-être un petit peu un peu dans l'esprit de Mandeville. Je vais juste traduire, Fiona. A Fiona disse que ela lembrou uma coisa muito importante, que
até essa própria tese tática da imunidade de rebanho, ela começou a ser ventilada também na Europa, bem no início da pandemia, não só na Inglaterra, na Holanda e na Suécia, como eu comentei, mas na própria França, né? Havia uma certa ideia de misturar táticas de isolamento com a imunidade de rebanho, e que isso, claro que isso foi perdendo força muito rapidamente, mas que o Estado Previdência, né, o Estado, aquilo que também sobrou do Estado de Bem-Estar Social, né, que na Europa está morrendo aos poucos, isso ainda pelo menos foi o suficiente para segurar, né, e dar condições materiais para que as pessoas conseguissem ficar isoladas, né. O que não foi um pouco o caso daquilo que aconteceu nem nos Estados Unidos, nem na América Latina. E ela mantém ainda uma posição, de certa forma, mandeviliana com relação às possibilidades de que hajam contrapoderes dentro do próprio capital, na medida em que ela chama atenção, dando o exemplo da crise climática, da oposição de interesses que há entre as companhias petroleiras e as companhias de seguro, né? Em que elas agora acabam se digladiando de alguma forma aí, nos interesses que elas sustentam, né? E, então, é isso. É uma coisa interessante, Fiona, é que não importa qual país lá, eu me souviens, bien évidemment, lá de l'Angleterre, de l'Hollande, de la Suède. À partir du moment où on considère la possibilité d'immunité, herd immunity, immunité de... Comment on dit ça en français? Immunité de groupe. De groupe, oui. De l'immunité de groupe. Si on considère ça avec une maladie qui tue 20 fois plus que la grippe normale, ça veut dire que même les gouvernements des États-providence, on peut dire, ont accepté la mort des personnes. Non, c'est au niveau théorique, là, c'est vraiment curieux. Une force publique, une partie des forces publiques ont considéré cette possibilité, qui est tuer 1% des personnes. C'est incroyable. Disons que on l'entendait bien, nous, dans les émissions télévisées. Dans un premier temps, le discours qui dominait, c'était qu'au fond, les morts touchaient surtout les vieux. Ceux qui devaient de toute façon mourir, et que ça ne changeait les choses qu'à 6 mois près. Ouais. Ça n'a été, et c'est paradoxalement, enfin, moi qui lis un peu l'actualité à la fois en Angleterre et en France, c'est paradoxalement plus en Angleterre qu'on a commencé à parler du Covid long et du fait que ça pouvait en quelque sorte faire que des personnes bien portantes allaient être handicapées pendant des mois et des mois, voire des années. On en a plus parlé qu'en France. Mmh. Et c'est rentré comme réflexion pour justifier le vaccin bien plus tard. On commence à en parler en France maintenant, du Covid long. Et donc, des conséquences néfastes que ce virus peut avoir sur des personnes parfaitement bien portantes et qui ne rentrent pas dans le cadre des personnes âgées qui, de toute façon, devaient bien mourir puisqu'elles n'étaient pas bien et que ça ne changeait que les choses qu'à un an près. Mmh. A Fiona lembra que, mesmo na Europa, no início, houve uma certa difusão de ideias de que, bom, é um vírus que vai matar só as pessoas velhas e que, no fundo, aqueles que já vão morrer.
ce qui est particulièrement cruel avec les plus vieux de Dieu. Donc, ce sont des gens qui vont déjà mourir, parce qu'on a, on écoute ça ici aussi. Donc, ce sont des gens qui iraient déjà mourir. Mais qui doit mourir, hein? Comment on peut faire ce genre de sentences? Ce sont des personnes qui vont mourir. Oui. Ça me donne peur de vieillir dans un monde comme ça. Ah bah, de toute façon, quand on voit ce qu'on appelle les EHPAD, où c'était particulièrement ça, c'était le discours, bon, de toute façon, ce sont des mouroirs, ce sont des antichambres de la mort pour les personnes âgées, les plus vulnérables, et bon, si elles meurent un peu plus tôt, ben, elles ne perdent pas grand-chose, puisque de toute façon, elles sont dans un antichambre de la mort. C'est assez terrible, hein, mais on l'a entendu. Et c'est intéressant parce qu'au fond, le Brésil n'est pas une exception. Il est la radicalisation d'un caractère qui est présent en Europe aussi, d'une rationalité qu'on peut trouver en Europe très facilement. Très facilement. Fiona, après l'exemple... Ah oui, c'est la question du long Covid. Je me suis suivi. A Fiona acrescentou também que a França foi o último país a lidar e admitir a questão do Covid longo, ou seja, as pessoas que sofrem as consequências da infecção a partir de vários sintomas que permanecem por meses e meses, e vários até hoje, né? Mesmo após o organismo ter debelado a infecção. Et une chose qui est intéressante par rapport, qui est un peu une différence là, qui m'étonne un peu, c'est la résistance qu'on voit dans quelques pays en Europe par rapport au vaccin sur les discours du droit individuel. Donc, le droit individuel est quelque chose qui est pensé comme absolu. Et cette notion d'individu est une notion d'individu isolé au monde, en fait. Les rapports avec l'autre, il est déconsidéré complètement. Ce qui est intéressant, parce qu'on ne trouve pas ça ni même chez les libéraux comme Walter et Smith, non. Même là, l'individu n'est pas quelque chose qui est absolu complètement. Parce que c'est évident, mon droit à ne pas choisir de prendre le vaccin ne peut pas être considéré parce que mon corps ne peut pas devenir une fabrique de nouveaux virus. C'est à cause de ça. Et ici, en Amérique latine, au Brésil spécialement, on a eu des longues campagnes de vaccination, de soutien des gouvernements au vaccin. On a des structures là de vaccination et des incentivations publiques là, des conscientisations publiques par rapport à l'importance de la vaccination. Ce qui fait qu'au Brésil, plus de 90% des personnes veulent prendre des vaccins. Et une chose qu'on ne voit pas dans quelques pays en Europe aussi. C'est une chose qui m'a étonné. Oui, bien sûr. Disons que par rapport au vaccin, je crois qu'il y a, en fin de compte, deux types de libéralisme qui s'opposent. Comme j'ai montré, vous avez Smith qui n'arrête pas de juger le comportement des individus par rapport à, justement, dans une perspective sociale, c'est-à-dire comment on est vu, et il y a cette espèce d'interrelation. Il me semble qu'avec John Stuart Mill, on a une espèce de radicalisation de l'individu, et peut-être que cela vient du fait d'une sorte de réaction à une description statistique du monde. C'est-à-dire que on voit au XIXe siècle tout un discours comme quoi l'individu est écrasé par la masse et que donc il doit pouvoir résister à cette masse et il doit résister à cette description statistique des choses qui fait qu'il y a un être individuel qui est absolument irréductible. Et pourquoi est-ce que je relis ça à la question du vaccin? C'est que, parallèlement dans le monde médical, se développe
un discours qui est totalement probabiliste, qui est pour telle toute chose, pour tout médicament, il faut faire la balance bénéfice-risque. Et dans cette balance bénéfice-risque, on regarde aussi, il y a le côté collectif, mais il y a aussi le côté individuel, c'est-à-dire que telle catégorie de personnes, de tel âge à tel âge, son bénéfice-risque n'est pas le même que pour telle autre catégorie de personnes d'un autre âge. Ce qui veut dire que d'une certaine façon, si on est dans cette logique de bénéfice-risque, ça veut dire que ce qui est bon pour certains individus ne va pas être considéré comme bon pour d'autres individus. Et donc, je crois que c'est là-dessus qu'en quelque sorte, le discours sur le vaccin a chopé, parce qu'effectivement, pour ce qui est des catégories, notamment des plus jeunes en dessous de 18 ans, le bénéfice-risque, et si on fait un calcul purement probabiliste, est beaucoup moins évident que pour des catégories beaucoup plus âgées, la mienne par exemple, que celle de mes enfants, enfin que ma plus petite fille, c'était moins évident, vous voyez. Mm-hmm. A Fiona comenta que, de fato, a questão da liberdade em Walter Scott e mesmo em Smith, ela tem uma dimensão social muito importante na medida em que a relação com o outro, o modo como o outro me vê, é parte dessa liberdade. E que ela acha que essa figura mais centrada no indivíduo, numa absolutização do indivíduo, está mais próximo do pensamento do John Stuart Mill, em que ele faz uma certa crítica a uma massificação da sociedade no final do século XIX, e que contra esses cálculos estatísticos, etc., é necessário haver um certo cultivo do individualismo e de certa forma, a própria ideia de cálculo, risco, benefício que nós encontramos até hoje, quando se pensa em estratégias de lidar com as pandemias e a implementação de vacinas, uma estratégia que nasce nesse momento, claro que sofre adaptações, mas que tem esse ponto de emergência nesse momento. Nós estamos aqui com mais de 2 horas e meia, algumas mensagens apareceram aqui para encerrar esta apresentação, e eu gostaria muito de agradecer a presença de todas e todos e da organização em especial. Donc nous sommes déjà avec plus de 2 heures et demie, donc je vais fermer la transmission et je voudrais vous remercier une nouvelle fois. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Até logo. Au revoir. Au revoir, Fiona. Au revoir, Daniel. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle invitation. À la prochaine. Nous sommes très heureux de vous voir.